Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous qui êtes actuellement sur la VOD d'Abandon Air France. On se retrouve actuellement pour le stream du 11 décembre 2021. Aujourd'hui, on va faire la Cité des Enfants Perdus, développée et éditée par Psygnosis France en 1997. Bonsoir The Uploader, bonsoir à Bronx aussi qui est avec nous dans le chat. Bonsoir à vous tous. Et c'est parti pour profiter de ce jeu, la Cité des Enfants Perdus. Que nous n'avons pas eu l'occasion de faire lors du précédent stream, alors qu'on avait dit qu'on le ferait. C'est pour ça qu'on le fait ce soir. J'en profite pour rappeler aux gens qui sont dans le chat que vous pouvez choisir le jeu pour après. N'hésitez pas. Allez, vous êtes prêts? Eh ben, c'est parti. Let's go. Psygnosis. Petit frère, méfié, va faire confiance à l'inconnu. Beaucoup enfants disparaissent, kidnappés. Petit frère, être très prudent. Petit frère doré, écoutez, Juan. Doré, cachez-toi! Pas touché, petit frère. Attends, gamin. Je vais pas te faire de mal. T'es caché où? Allez, montre-toi! Mes oreilles, j'ai mal. Je l'ai. Ouvre la porte, grouille. Ok, démarre. The City of Lost Children, la cité des enfants perdus, par UGC. Psygnosis. UGC, c'est le cinéma hein, en question. Hein, c'est la marque qui a fait le film, parce qu'apparemment, c'est lié à un film, je ne sais pas, un film français, apparemment. C'est... Bonsoir, Bleu d'Hiro, et bonsoir, Zoltek. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Based on a movie by Jeunet and Carol. Ça spoil le film ou l'histoire est indépendante? Je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est une histoire... je pense pas que ça spoil le film. Ou sinon, on commence au même niveau que le film. Voilà. Je n'en ai aucune idée. J'ai pas eu plus d'informations. Je vais regarder sur l'affiche. Vraiment dans la France, on va voir ça. Ce jeu d'aventure est inspiré par le célèbre film de Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro. Les plus anciens d'entre vous devaient le connaître car il avait un grand succès à l'époque et le jeu n'avait pas tardé à sortir, notamment sur PS1. Alors c'est l'affiche que je lis. Game Design by Laurent Cluzel, Jesus Martinez, Eric Mentens et Philippe Tisson. Enfin, il me semble qu'il y a des références. Les deux œuvres sont cependant totalement indépendantes. Pas besoin d'avoir vu le film pour faire le jeu. Donc dans ce jeu, pour une fois, vous contrôlez une jeune fille. Ce n'est pas Lara Croft, mais la petite... Je ne continuerai pas pour vous spoiler, mais le jeu est indépendant du film. Voilà, on a la réponse. Merci beaucoup. Petite musique douce pour un orchestre symphonique et vos oreilles. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est poétique. La cité des enfants perdus. En sorti en 1997 hein, sur PC, aussi sorti sur PlayStation pour information. Et donc du coup oui, d'ailleurs moi je crois que je l'avais sur PlayStation. Oh, une cinématique. Mais dis donc, ce type de jeu me dit quelque chose. Cette animation,
Ça me fait penser beaucoup à du Little Big Adventure, dites donc. Alors, c'est une démo hein, que vous voyez ici, évidemment, c'est pas moi qui joue. Donc bonsoir, Bleu Diro. Alors je répète souvent les bonsoirs. Je le répète souvent. Bonsoir Zoltek, encore une fois, je voudrais pas en perdre une miette. Exactement, miette. Bien joué. Parce qu'elle s'appelle Miette, la petite personnage qu'on joue, effectivement. Donc ça spoilera pas le film, on l'a vu. Salut à toi, mon ours, j'espère que tu vas bien. Nice, merci, y a pas de souci, avec plaisir. Mon ours, tu n'es pas en... Oups, va faire confiance à l'inconnu. Voilà, c'est la cinématique à nouveau. Alors, attendez. Beaucoup enfants disparaissent, kidnappés. Hop, mon ours, tu n'es pas... Modo. Voilà, là, c'est bon, c'est réglé. Frère. Bon, on a vu la cinématique, hein, ça va aller. Hein. Allez, hop. On y va, on va commencer le jeu, nouveau jeu. Alors, je ne l'ai pas testé pour le moment. Ah, on commence vraiment ici? Ah oui, d'accord. J'aime bien ça, le score. Ah oui, on commence vraiment ici. Là, c'est pas une démo, hein, c'est moi qui joue. Hein. C'est bien parce que... Il n'y a pas un truc à faire avec la souris, genre... Ah non, 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 pas du tout. Oh, ok. Ah. Va faire le casse ou on te jette au trou. C'est ça que tu veux? Bah non, je veux pas ça. Je peux pas me baisser. Oh, tu peux pas te baisser. Là, tu peux. Attends, mais moi, j'aimerais que tu récupères cet objet qui est actuellement ici, là. Je peux pas faire un clic? Non, non. Ça me rappelle vraiment du Little Big Adventure sur le moyen de bouger. Dehors ! Notre patience a des limites. Rien à faire. J'ai vu qu'il y avait une trappe, effectivement. Je suis d'accord. Ah oui, voilà, là il y a un objet. J'y arrive pas. Comment ça t'arrive pas à prendre l'objet ? J'y arrive pas. On t'avait prévenu, idiot ! C'est à croire que tu le fais exprès. Attendez, j'essaye de trouver les touches, ce serait déjà pas mal. Entre là-dedans et vous fiche-nous la paix. Ah. Bon, eh ben... Tant pis. C'est pas grave. Il y a bien une trappe. Oui, on va voir la trappe ensuite. Déjà, je vais fouiller cette salle, du coup. Donc quand j'appuie sur Enter, ça fait changer les angles. Non, c'est pas changer les angles de caméra, c'est juste une coïncidence. Ouais, ça va, tu vas pas faire ta fragile non plus, chère héroïne. Encore une fois, je découvre hein, le jeu, hein, vous l'aurez compris. J'essaye vraiment de trouver le moyen de jouer. Appareil photo, quoi appareil photo? J'ai oublié de voir les touches en démarrant le jeu, alors en plus... Ah, là je peux changer d'angle de caméra. Impossible de m'accroupir ici. Mais oui, mais je veux pas que tu t'accroupes. J'y arrive pas. Impossible. C'est pas la voix de Pousse-Pousse ? Désolé, hein, je... aucun rapport. Mais... Bon, là, il y a une échelle. Tu vas prendre l'échelle. Je peux pas me baisser. Si, c'est la voix de Pousse-Pousse. Impossible. Mais qu'est-ce qui est impossible ? Mais dis-moi ce qu'il faut faire ! Je suis perdu alors que ça fait même pas 30 secondes. C'est malheureux. Bon, je vais sortir. Ça, je peux. Ah, je peux sortir. Elle se met devant la porte. Les idiots, ils ont même pas fermé la porte. Ouais, ils sont vraiment cons. Oh, idiots, pardon. Ok. Je trouve ça à la fois génial et improbable qu'un jeu dérivé d'un film français comme ça existe. Ah, mais c'était assez courant à l'époque. Hey, hein. J'ai rien fait de mal. Je vois pas pourquoi j'irais dans la cave. D'accord, d'accord, ça va, t'inquiète. T'inquiète, Miette. J'y arrive pas. Mais non, mais si tu peux... Je peux pas me baisser. Mais tu dois pouvoir prendre cette bouteille, Miette. Dis-moi ce qu'il faut faire. Impossible. Je trouve ça la fois génial, un problème que je vois. J'y arrive pas. Mais qu'est-ce que impossible. Tu... Impossible. Mais oui, mais... Moi, j'ai envie de te comprendre, je... Mais il doit bien avoir un mes moyen. Mes poches sont vides. Bah oui, t'es... J'ai bah rien oui. dans mes poches. Bah oui, mais j'aimerais bien que tu aies des trucs dans tes poches. Des souvenirs à la queue. Mon dieu.
La musique est peut-être un peu forte, non? Attendez. Volume des dialogues. Les dialogues, non. Ah oui, d'accord. Musique, arrêt ou marche. Génial. Bon, attendez. Du coup, je vais baisser dans Windows. Dans The Box. Parce que sinon, vous allez moins m'entendre. Et bon, il faut quand même que vous m'entendiez parler. Et que vous puissiez profiter de la musique du jeu, quand même. Voilà, là ça devrait être pas mal. Allez, je monte un petit peu plus. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, on va réussir à trouver qu'est-ce qu'il faut faire quand même. Déjà, faut que je trouve le moyen d'interagir. Ce serait pas mal. Déjà, je vais voir sur la fiche du jeu, parce que potentiellement, sur la fiche du jeu, ça a été évoqué les commandes. Alt, se baisser. Donc ça, on est d'accord. Alt... Impossible de m'accroupir ici. Voilà. Regarde. Regardez comment le site d'Abandon à France est quand même extraordinaire. Merci à ceux qui ont commenté. Là, c'était l'avis de Games Lover qui nous a dit justement les manipulations à faire. Tab, fouiller dans ses poches, plus voir inventaire. Mais du coup, les j'ai rien. Page up, prendre. Non, arrêtez. Non, mais non. Vraiment? Mais non, mais... Mon Dieu! Pour utiliser Page Up, donc le, vous savez la flèche... Vous savez la partie là que tous les claviers n'ont pas? J'essaie de vous montrer là. Genre, faut utiliser... Attendez, je regarde les filles... D'accord. Faut utiliser ça! Faut utiliser ça pour prendre un objet! Et faut utiliser ça pour discuter! Sérieux, sauf que sur mon ordinateur, actuellement là, où elles sont ces touches? Elles sont pas à côté des flèches. Sur l'autre ordinateur, elles sont là. Ici. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. There is nonsense. Merci beaucoup Anfir pour le polo. Merci beaucoup à toi. J'espère que le contenu de la chaîne te plaira. Bon, mets-le dans ton inventaire. Donc, ok. Et pour impossible. Discuter, impossible de discuter dans le vide. Ok. Donc, du coup, eh ben, on va quitter et on va relancer le jeu. Comme ça, on pourra prendre l'éponge. Vous avez voilà l'information du film si vous le souhaitez en vente partout en vidéo. Ça, c'était à l'époque de la sortie du jeu, évidemment. Plein écran, j'enlève. Après, c'est Nikki. On peut pas paramétrer les touches, j'ai pas l'impression. On va vérifier, mais... Non. On peut pas. On ne peut point, c'est malheureux. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais... C'est pas du tout opti, mais pas du tout. C'est pas grave. On peut avec CTRL F1. CTRL F1. Merci, Ziup. Voilà. Bien pensé. Select an event to change. On va dire page up. Et vu les touches, c'est alt, tab, entrée, flèche, ok, espace, changer langue de vue, et ok. Maj n'est pas utilisé, contrôle, en plus Maj et contrôle ne sont pas utilisés. Donc ça, je vais faire, c'est ça que je veux changer. Ça que je veux changer. Ah non, mais il faut que je fasse avec un clic, je suis con. Il est où? Page down, il a page up. Voilà. Et je veux ça. Je veux que ce soit ça. Add. Ça. Voilà. Et page down, je veux que ce soit ça. Save. Exit. Est-ce que ça marche? Prends un contrôle de jeu et remets-le ailleurs sans conflit avec une autre contrôle de jeu. Tu peux aussi mettre sur une manette. Alors une manette, on va pas le faire de suite, mais au moins ce sera pas mal. Fais voir. Va faire le casse. Oh, j'ai... ça marche. Oh, merci The Uploader. Putain, sans toi, qu'est-ce que j'aurais fait? Oh, un tu coup, es un être extraordinaire, The Uploader. Je le dis sans faille. Reste cool. Sinon, je dirais bye bye.
Merci beaucoup, Ziop. Sérieusement, merci beaucoup. J'ai bien été dans la mouise. On peut pas courir dans ce jeu, donc on va faire la marche. On peut leur parler à eux ? Comment je fais pour rentrer dans la baraque des retêtes ? C'est la pelade qui a la clé. Renseigne-toi plutôt près de lui. La pelade. Et merci aux deux. Ils sont combien à la garder pendant la nuit ? T'es sourde ou quoi ? On t'a dit d'aller voir la pelade. La pelade. Comment je fais pour rentrer dans la baraque des retêtes ? C'est la pelade qui a la clé. Ah oui. Renseigne-toi plutôt près de lui. Ça me fait vraiment penser beaucoup à du Little Big Adventure. Ça me fait rire parce que j'ai pas vu Frédéric Reynal dans rien le. Rien à faire. Dans rien le... à faire. Dans le truc là, dans le nom. Notre patience a des limites. Oui, bon, ça va. Là, les jumeaux, là. J'ai pas vu Frédéric Reynal, du coup, dans le nom qui avait fait, justement... Frédéric Reynal, oui, c'est ça. Qui avait fait Little Big Adventure. Mais... Ah oui, oui. Prends. Voilà. On t'avait prévenu, idiote. C'est à croire. Ah si, on peut courir. Tab. Impossible. Mais si, tout est possible. Après, on jette. Entre le temps, il faut fiche-nous la paix. Pas grave. Voilà. Hop, on peut courir. Oh là là, super. Et ils ont rien pas fermé faire. La porte. Voilà. Donc on va faire. Hop. Rien à faire. Alors oui, donc j'ai peut-être mis sur un bouton qu'il fallait pas. Contrôle F1. Attendez. Page up, du coup, merci. Page up, on va le mettre sur W. Add W. Et del. Voilà, ok. Et donc je fais add W. Voilà. Bon, il dit que c'est Z, mais c'est pas très grave. Comme ça, je peux courir, mais du coup, je pourrais faire actuellement contrôle. Qui left control, ok. Je fais mes touches, hein, j'en profite. Hein. J'en profite comme un petit fou. Discuter, on va dire que ça va être du coup del. Je fais ça, voilà. Et contrôle, je fais add majuscule. Save. Pas. Voilà, comme ça je impossible. Peux. Impossible. Oui. Je peux. Impossible. Rien à faire. Impossible. Impossible. Oui, non, mais ça, j'ai compris. J'y arrive pas. Salut à toi, HDG. Je crois que j'ai appuyé. Je crois que j'ai fait une connerie. C'est possible. Attendez. Delete. Delete. Voilà. Page up, y a rien. Delete, delete. Ok. Contrôle. Delete, delete. Shift, delete, delete, et Z, delete, delete. Voilà. Donc, page up, je lui mets ben, page up. Page down, je lui mets page down. Voilà. Donc là, on est bon. Control, je lui mets control. Shift, je lui mets shift. Z, je lui mets ben, Z, même si c'est W. Salut! Salut à toi Régis, comment ça va? Désolé l'infirmière veut mater une série, je leur bien sûr bye. Mais merci beaucoup à toi HDG d'être là, merci beaucoup, des bisous. On va réussir à jouer au jeu, hein, je vous le l'assure. Rien voilà. À faire. Oui non c'est bon, là je clique rien sur... Rien à faire. J'y arrive pas. Impossible. J'ai fait une connerie. Impossible. Oui non mais... J'y arrive pas. Attendez. Ce sont les aléas du direct. Voilà, ce sont les aléas les aléas du direct. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Voilà. On est de retour. Voilà. Donc, le contrôle me permet de courir. Nickel. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir fixer mes touches comme je veux. Contrôle F1. Et donc, vu que WX ne sont pas utilisés, je vais dire que PageUp devient W et que PageDown devient X save. En vrai, j'aurais pu dire que les deux se sont...
Exit, voilà. Et donc là, je peux... Ah oui, non, t'es pas à côté d'un objet. Voilà. Et là, c'est bon, là, il n'y a plus de problème, tout va bien. Rien à faire. Mais mets-toi bien en face du truc. Voilà. Tu peux prendre de l'éponge. Voilà, tout va bien, vous avez rien vu. C'est ça que tu veux. Oui, c'est ça que je veux. Oui, j'ai envie d'être au trou. Enfin. Je savais que tu ne serais pas prêt, j'ai pris une demi-heure de délai. Non, et... C'est le jeu qui a un peu du mal. Ah oui, d'abord je range ça. Oui. Ouais, ouais, c'est bien. Tu peux rien poser ici. Non, mais je veux pas que tu poses. Tu mets dans, voilà, tu mets dans ton inventaire et tu vas parler à eux. Dehors, notre patience a des limites. Mais je veux leur parler. Comment je fais pour entrer dans la baraque des 7 ? C'est la blague. Et des vigiles. T'es sourde ou quoi ? On t'a dit d'aller. Comment je fais pour entrer dans la baraque des 7 ? C'est la blague à la clé. C'est la voix de deux pouces-pouces. C'est la voix de pouces-pouces. Et des vigiles. Ils sont combien à la garder pendant la nuit ? Je suis sûr. T'es sourde ou quoi ? On t'a dit d'aller voir la blague. Je suis sûr. Quelle que soit la raison, la finalité est la même. Et un peu de. Hein ? Manque de politesse là, monsieur là. Oh ! Merci beaucoup, Dunbear, si je me trompe pas. Merci beaucoup à toi pour le follow. Cœur sur toi, j'espère que le contenu de la chaîne te plaira. Non, mais je le fais pas exprès, mais laissez-moi essayer de fouiller. Voilà, regarde là par exemple. Bon, je peux pas. Tant pis. C'est pas grave. Mais voilà. Ah. J'ai récupéré quand même l'Erlen Meyer. Je le mets dans ma poche. On est bon. Logiquement, là, il n'y avait rien, hein, il me semble. Hein. Non, il n'y a rien. C'est pas... C'est un peu lourd à contrôler, mais on va s'en sortir. Interagir, c'est... Rien à faire. Mais si, bien sûr que tu peux... Rien à faire. Mais si. J'y arrive pas. Mais si. Rien à faire. Mais sûr que si. Lol, ils sont cons, ils ont dit ça. Tu te traites pas un peu de ma gueule, toi. J'y arrive pas. Mais tu sais pas ouvrir une porte. Impossible. Rien à faire. Là, cette fois-ci, ils ont pas oublié de la fermer, hein. Oh, putain. Ah, ça fait mal, hein, mur. Hein. La hitbox est tellement petite. Je pense, ouais, que... J'y arrive pas. Bah oui, t'y arrives pas. L'échelle, elle part. Mais non, mais vous inquiétez. On va réussir à sortir, évidemment. Impossible. Sinon, tu mets un joystick. Le joystick ne réglera pas le problème parce que les contrôles sont quand même... Rien à faire. Et les contrôles sont quand même lents. J'y arrive pas. Mais si tu y arrives, ma puce. Impossible. Tu vas y arriver. Ah, c'est Hunter. Les idiots, ils ont même pas fermé la porte. Oui, parce que Hunter, c'est pour faire une action... Mais c'est pas pour prendre un objet. Alors que maintenant W, tu peux prendre un objet mais tu peux pas faire d'action avec. Comme quoi, il y a des choses qui paraissent évidentes et qui pourtant ne l'étaient pas à l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 97 encore une fois. Et c'est pas forcément des plus évidents. L'appareil photo qui clignote, on va se regarder. DNA. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que si on perd, on sait où se trouver. J'arrive pas. Pas de problème. Bonjour, le chien. Mais ça va, il t'a rien fait. Impossible. Impossible de parler au chien. Je n'y arrive pas. Il faut que je sois pile en face de lui pour parler au waf waf. Impossible. Impossible. Il ne veut pas. Dieu. Rien à faire. Il ronfle ou il ronronne, je ne sais point.
Ok, alors oui. Bonjour, monsieur. Dis, tu me donnes la clé de la baraque d'R7? Bouge pas, je dois avoir ça quelque part. Non mais c'est vrai, c'est si simple? Là voilà. Maintenant file, je veux pas devoir traîner dans le coin. Y'a pas de soucis, mais alors y'a pas de soucis. Merci. Attends, je suis fatigué de te voir faire les 100 pas devant moi. Ok, 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 ça va. Oh là, ouh, ouh, langue là, non, là, je suis énervé, je suis pas content. C'est pas du tout. Ah! Je récupère tout ce qui traîne, hein. Un os à... Oh, pour le chien! Oui, bon, bah, change d'angle de vue. Tiens, hop. Et je pose l'objet. Tiens, le chien. Ah. Tu vois? T'es content. Maintenant. Et voilà, on aura nourri un chien. On aura au moins fait quelque chose de bien dans la journée. C'est bon. Ok. Donc là, il y a un escalier. Il y a quoi derrière? Il y a rien? Ok. Il y a quoi là? Là, ici, il y a des portes. Est-ce qu'on peut ouvrir ces portes? Genre là? Apparemment, je peux. Ah ben... Salut les loulous! Vous allez bien? Comment on fait pour se... Alors déjà, on va courir. Il y a un truc à faire avec le fourneau, là? Rien à faire. Non. Et là, cette trappe-là... J'y arrive pas. Je ne peux pas m'abaisser, c'était quoi? C'était Alt pour s'abaisser. Et là? Ah oui, bah oui. Va faire le casse ou on le jette au trou. Et oui, Alt entrée. Oui, bon, ça va. Je m'en vais, c'est bon. Il n'y a personne qui veut me voir dans cette ville. Je m'appelle Niette, pour info, hein, je crois. Tiens. Aucun respect pour les miettes, hein. Je sais que bon, les miettes de pain, on les aime pas, mais... Ah, déconnez quand même, je suis gentil, C'est fermé à clé. C'est fermé à clé, merde. Et tu n'as pas une clé. Mais si tu as une clé. Oui. Et si tu utilises... Je peux rien poser ici. Non, mais pas la poser, tu l'utilises. Rien à faire. Non. Ils ont changé, les frères, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas assez de place ici. Bon, mais non, mais y a pas de souci. Tu veux pas poser. Tu veux pas. Y a pas. Y a pas de souci. Monte l'escalier. Allez. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Vas-y, monte. Voilà. Ok. Les contrôles sont... Enfin, sache que tu te fatigues pour rien, c'est fermé. Oh, merde. Mais c'est quoi qui est fermé? Là, il y a une Je porte. Je peux pas ouvrir, il y a pas de poignée. Oh non! Ah, merde. Bon. Les contrôles sont... Ouais, les contrôles sont... Je pense que ça résume bien la... La maniabilité, le... Disons que on critiquait à l'époque Lara Croft, qui, je vous rappelle, est sortie en 96. Hein, Tomb Raider, Lara Croft, est sortie en 96. On critiquait Lara Croft par rapport au fait qu'elle était très rigide sur la maniabilité. On peut pas l'enlever. Je pense que j'ai trouvé plus rigide, quand même. Voilà. Ce n'est que mon humble avis. Évidemment. Quelle fluidité. Donc là, il y a une porte là ici. Est-ce qu'on peut entrer? Impossible. Impossible. Est-ce qu'il te faudrait pas une clé par hasard? Une éponge, un sac de billets, une bouteille vide, la clé de la baraque. Et non, ça peut pas, c'est pas une baraque. Je peux rien poser ici. Ça, je me doute. Mais impossible. Est-ce que tu peux? Non, tu ne peux pas. D'accord, il y a pas de problème, Miette. Niette, niette, niette.
L'avantage qu'il y a, c'est qu'après avoir vu ce jeu, vous aurez envie de voir le film. Attendez, je me replace bien en face. Ouais. Voyez ça, par exemple, dans Tomb Raider, effectivement, elle se replace comme ça devant les leviers, mais pas devant les escaliers. Voilà. Les escaliers, bon, il n'y en a pas. C'est vrai. C'est des gros blocs. Mais bon. Après, est-ce qu'on peut comparer ça à Tomb Raider qui date de... d'un an avant? Certainement, oui. Ah, ah, attendez. Miette a trouvé un autre déchet sur le sol à récupérer. Désolé, je suis... non, le jeu ne donne pas envie. Heureusement que j'ai déjà vu. Alors, est-ce qu'il est bien, le film? Dis-nous. Dis-nous, tu es peut-être un des seuls à l'avoir vu. J'arrive pas. Comment ça, t'arrives pas? Allez, mets-le dans ton stock. Voilà. Impossible. Impossible. Ah, la baraque, c'est peut-être là. Rien à faire. Rien à faire, d'accord. Voilà. Non, franchement, c'est... Hey, on peut pas dire... Alors, il y a peut-être des problèmes de maniabilité, mais... Nous ne pouvons nier que le jeu est joli, quand même. C'est une porte? Rien à faire. Mais rien à faire de quoi? Je ne sais pas ce qu'il y a rien à faire. C'est ça, le truc. Et j'ai beau changer d'angle de vue, ça ne marche pas. J'arrive pas. Sur PlayStation, ça devait être marrant. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas fait sur PlayStation quand je l'avais... J'ai dû essayer et j'ai dû me dire... Bon, je comprends pas. Allez, ciao. Il y a quelqu'un pourtant à l'intérieur, là, qui... Ça se voit? Il y a la lumière là-haut, là, qui s'allume. Attendez, il y a un tonneau là. Ok, donc ça c'est là. Et là il y a les docks là, donc on peut pas traverser la rivière. Film français pas mauvais en maintenant pour l'époque début 90. Oui, hein, le jeu est sorti en 97. Ce serait pas étonnant que du coup le film... Rien à faire. Rien à faire. J'y arrive pas. Et moi non plus. C'est pas étonnant du coup qu'ils aient voulu faire un jeu de ce film s'il était pas mauvais. Oh, on peut speeder dans les escaliers. Voilà. Je trouvais une technique de speedrun. 92-93. 5 ans après quand même pour sortir le jeu. Ils ont dû avoir du mal à faire le moteur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une brosse. Je récupère toutes les ordures de la ville, mais au moins j'aurai tout. Si tu connais Delicatessen, il y a de ça. Non, je ne connais pas Delicatessen. Je n'ai pas de culture cinématographique. Je n'ai qu'une culture vidéoludique, malheureusement. Je me suis plus concentré sur les jeux à l'époque que sur les films. Je dois avouer, c'est pas forcément une des meilleures stratégies que j'ai faite par le passé, mais ok, et eh ben c'est pas ça, hein. Donc ici là il y a une porte, c'est angoissant version cauchemar, mais aussi de l'ordre du merveilleux. Bon ben ça va, on va rêver ce soir, vous voyez, on rêve déjà là, avec des environnements aussi féeriques. Je suis mauvais, il faut toujours laisser la chance au jeu, rien à faire. Si, il faut toujours laisser la chance au jeu. C'est très très important. Parce que il y a des jeux qui potentiellement peuvent ne pas valoir le coup. Je peux rien poser ici. De prime abord. Mais impossible. Qui en fait sont... impossible. Sont sympathiques. Hein, il faut vraiment laisser sa chance au jeu. Pas par là. C'est assez sombre mais beau à la fois. Attention, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'inspiration de Tomb Raider, mais ça m'étonnerait que le jeu il est développé en 5 ans. J'avoue, je serais bien intrigué. Parce que s'ils l'ont développé après Tomb Raider, là j'aurais compris un peu. Après Psygnosis, ils n'ont pas de lien avec Tomb Raider, c'était Core Design. Psygnosis, non. Non, c'est une porte.
Il y a Ron Perlman dans le film quand même, celui qui a joué Hellboy. Ah, comme quoi, c'était en bas. Merde. Je m'en souviens. Comme quoi, hein. Non mais ça peut être un très bon film. J'aurais intrigué de vous comprendre ce que c'est, ne serait-ce que d'aller... J'irai voir une bande-annonce du film à un moment. Oula. Tu peux te noyer ou pas? Apparemment oui. Ah, attendez, on va se regarder, on va essayer de se noyer. Alors oui, c'est une remarque très con ce que je viens de faire, mais vous allez comprendre. Avant moi même, je pense. On va faire comme ça. Voilà. Re, je profite de la pause syndicale pour revenir à Zut. Avec plaisir, pendant qu'on a réussi à sortir de la cave. Regardez. Là, ici. Oh! 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 On peut pas tomber. Même en courant. Non. C'est bien pensé. Il y a l'appareil photo qui clignote en haut, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Oh! Attends. On va déjà explorer la... Ça me rappelle quand j'avais fait Pyjama Sam là et qu'il y avait une zone que je savais pas qu'il faut, qui était invisible. C'était impossible de savoir qu'il fallait y aller. Ok, c'est bon. Oh, si tu me le permets, j'aimerais bien papoter avec toi vite fait sur Discord quand tu as le temps. Mais avec plaisir, HDZ, n'hésite pas. Alors, n'hésite pas à venir sur le Discord d'Abandon la France. Et ce que je te recommande, comme ça, il n'y a pas de souci. Tu me hâtes, ok, et on peut se faire un petit call, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Tu y es déjà, parfait. Et ben alors envoie-moi un petit message sur Discord en MP. Comme ça je saurai qui tu es. Mais quelle est donc cette énergie humaine? J'y arrive pas. Oui mais je comprends pas ce quoi tu veux. Ce pseudo-cool. Ah, le fameux. Donc on s'est déjà envoyé un message. C'est pour ça, le fameux. Regardez hop, elle fait des claquettes. Est-ce qu'on peut faire comme Tomb Raider et sauter? Ah! Non. Là, je sens qu'il va falloir mettre une corde ou un truc comme ça. Mais oui! Le fameux! Non, je me souviens que tu m'avais envoyé un message et t'avais dit « Oups, je me suis trompé !» Ça m'avait fait rire. Donc cette zone ne sert à rien pour le moment, mais parce que la porte n'est pas encore ouverte, je suppose. Je suis curieux quand même d'essayer de comprendre de ce jeu. Oh mais attends, mais viens. Mais c'est un monde ouvert avant l'heure! Par contre, la mer est vraiment très sale. Casse-toi, t'as rien à faire dans le coin. Oh. Je veux pas te voir traîner par ici, tu m'entends? D'accord. Moi, je veux te faire un câlin. Tu câlin comprends ce que je te dis? Tu préfères peut-être que je te boucle? Ça dépend. Si tu me boucles au bon endroit, pourquoi pas? J'aime déjà ce jeu pour la présentation à la Alone in the Dark Resident Evil. Je suis d'accord. On sent beaucoup de ce genre de studio. C'est ce que je disais, ça me fait penser à du Little Big Adventure. Parce que moi, j'ai joué à Little Big Adventure, dans mon cas. J'avoue que dans la maniabilité, dans la volonté au niveau des angles de caméra, il y a beaucoup d'inspiration de ces jeux-là. Et pas mal. Hein. Oui, c'était à la mode à la Alone et j'étais en train de me le dire, il y a les brains au même moment, voilà, on est interconnectés de toute façon ici. Mais combien de fois il faut que je te dise les choses pour que tu comprennes? Tu peux me le dire 20 fois. Allez, où ça, je peux te voir? Quelques heures dans le dépôt, ça devrait te calmer. Et globalement, on a assez bon. Les gens sont pas très aimables avec nous. On dirait qu'ils aiment pas trop les enfants. Est-ce une impression? J'y arrive pas. Bien moi non plus. Je ne sais pas. C'est globalement un assez bon jeu, mais le film est franchement bon.
Le film était bien barré si je me rappelle bien. Ah bah oui, bah déjà vu les deux jumeaux. Impossible. Peut-être du Tim Burton avant l'heure. Impossible. Impossible, d'accord. Bah écoute, j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas, mais il n'y a pas de problème. On n'est jamais... Enfin, les gens peuvent ne pas y arriver. Oh ! Mais qui êtes-vous ? C'est le vigile qui t'a envoyé ici ? Oui, c'est le vigile. Le gentil vigile. Gentil. Pourquoi ? Ben, il y a un cyclope qui a essayé de me voler mon vin. Oh non ! Alors moi, ben, j'y ai crié dans les oreilles. Il a pas aimé, hein. Bah ouais. Ah bah du coup, faut pas les chatouiller trop, hein. Sinon, il s'énerve. C'est le vigile qui... Oui. Pourquoi ? Bah, alors moi, bah, j'y ai crié dans les oreilles. Ah bah du coup, il s'est plaint. Bah oui. C'est qu'ils ont les tympans fragiles. Bah oui. Bon, faut pas les chatouiller trop, hein. Sinon, il s'énerve. Bah c'est malheureux ça, mon pauvre. Bah, on... Tu... Attends, mais j'ai des bouteilles de vin vides. Tu veux des bouteilles vides ? Ça te servira peut-être pour remplir ? Non, ça c'est une brosse, on s'en fout. Tiens. Impossible. Impossible. Il n'y a pas assez de place ici. Tu veux pas une bouteille de vin vide ? Rien à faire. D'accord. Bon ben, re-range-la dans ton inventaire, elle servira que... Dans le but de boire un verre. J'ai bien compris qu'il fallait que je te donne à boire. Ça, ne t'inquiète pas. Mais j'ai pas à boire. Le truc. Très inspiré de Burton en effet. Ouais, ça se sent. Ne serait-ce que le personnage là avec les rayures, je sais pas, ça me fait penser à du Burton. Et les deux frères, la manière dont ils se tenaient, je j'avoue. Voudrais vivre heureux sur le dos d'un vagabond. Oh, c'est un beau pont. Je voudrais vivre heureux sur le dos d'un macareux. C'est beau. Mais Burton est arrivé après, non ? Je crois que Burton avait déjà commencé à faire des choses parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack... Ah, il y a longtemps que j'aime, dans le but de boire un verre. Il y a longtemps que j'aime, dans le but de boire un verre. C'est beau, c'est poétique. J'aimerais être heureux sur le dos d'un macareux. Le vigile est gentil, je l'aime lui et son phare. Ça n'a pas marché la rime là. Le gentil. Alors, Tim Burton. Quelle est sa première réalisation ? Sa filmographie. Il y a longtemps que j'ai... S'il avait déjà commencé, il était, je crois, dans le nouveau Hollywood, mais il avait déjà commencé avec Hansel et Gretel. Il avait fait Frankenweenie. Il avait fait ce genre. Il avait fait Beetlejuice 92-13, hein, t'avais dit Régis. Donc il avait déjà fait Pee-wee, Beetlejuice, Batman, Edouard aux mains d'argent, Batman le défi. Le vigile est gentil. Et Batman le défi est sorti la même année. Que du coup 92 il est sorti. Donc si, il y avait quand même voilà, il y avait quand même de quoi le connaître. Je regarde tac tac tac. L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est sorti la même année aussi. Donc je pense que à mon avis il devait déjà avoir il devait déjà être connu. Sur le dos d'un macareux. Oui, oui, on a compris. Twin Peaks c'était peut-être le premier. Beetlejuice, Pee-wee, Edouard, Burton, c'est bien avant. Ouais. Après, un gars comme Peter Jackson a commencé avec Baptiste. Oui, donc effectivement. Non, mais encore une fois, hein, on ne critique pas l'œuvre. En termes de gameplay, on peut pas dire que ce soit super impossible. Top. Soyons honnêtes quand même. Au niveau du jeu, là, pour le moment, c'est un peu rigide. Mais après, c'était l'époque. Et franchement, pour l'époque, c'est un jeu qui est quand même pas mal maniable. Les angles de caméra sont quand même pas mal. Franchement, moi je trouve ça pas mal. Hein. C'est du bon boulot, je trouve. Hein. Après, il faut qu'on arrive à comprendre comment on joue, mais après, j'aime bien chercher, fouiller un peu partout, donc j'avoue que je fais n'importe quoi. Pourquoi est-ce que cette porte ne veut pas s'ouvrir ? Oui. Pourquoi est-ce que cette porte ne veut pas s'ouvrir ? Ah, rien à faire. Ça va être problématique si elle veut pas s'ouvrir. Comment rien je fais pour faire. Sortir ?
Du coup, parfois, ça veut rien dire. Oui, effectivement. On parle de Burton quand même. C'est pas un jeu FR de mémoire. Si, c'est un jeu français, fait par Psygnosis France. Tel le film. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Bah ça, c'est une bonne question, madame. Je voudrais vivre. Impossible. Je voudrais vivre sur le dos d'un macaque. Rien à faire. Rien à faire. Alors ça va vite être chiant par contre si tu commences à dire rien à faire tout le temps et que tu me proposes pas des solutions. C'est du bon le jeu. Ce jeu là il est bon? J'ai jamais joué à tout ça. Pourquoi je sais ça? Il y a longtemps que j'ai dans le but de boire un verre. Il y a longtemps que... Oh! Il y a longtemps que j'ai dans le but de boire un verre. Hop, vas-y. Ouais. Voilà, j'ai branché le fusible. Ça devrait être bon maintenant. Mais parfait, nickel, Niette. Oui, bon, ça va. Ça, tu vas pas mourir en descendant de là. Ring Beat Juice, puis oui, Edward, sans culte. T'étais pas né lors de la PS1. Elle est sortie en 96 ou 4. Tom Raider est sorti en 96. Par contre, la PlayStation 1 en France, elle est sortie en 2019, pas du tout. Si tu t'as ce que j'ai vu. Elle est sortie, si j'étais né, elle est sortie le 3 décembre 94 au Japon. Elle est arrivée en septembre 95 en France, en Europe. Donc si j'étais né. Le vigile est gentil. Quelques mois, hein, mais j'étais né. Donc j'ai activé le bouton, donc on est bon, on peut aller, hop, là. Je rigole beaucoup en disant que le jeu est un peu compliqué à manier, mais en vrai ça va, c'est pas mal. Bah, il a une maniabilité pas terrible pour actuellement, forcément, mais ça va, pour l'instant le jeu. Moi c'est juste que je me trouve un peu perdu, mais bon après je pense que c'est un peu comme beaucoup de jeux de l'époque, on est perdu assez facilement, hein. C'est volontaire. Et on arrive ici, voilà. J'ai monté l'escalier. Il y a un truc qui me turlupine. Ok, d'accord. Il y a que la rigidité du personnage qui est pénible, mais au bout d'un moment, on n'arrive pas à s'y faire. Oui. C'est pour ça que je j'y joue quand même, c'est pas un problème. Et il faut pas être rebuté par la rigidité d'un personnage, ce genre de truc comme ça, et même par les graphismes, ce genre de choses. Des fois, il faut tester les jeux, faut pas hésiter. Je peux comprendre qu'il y a certains jeux qui des fois sont très, c'est compliqué de vouloir y jouer, comme certains jeux que je ne citerai pas. Mais bon, faut pas. C'est important de tester, je trouve. Je veux pas te voir traîner par ici, tu m'entends? Mais je veux vous parler. Impossible. Impossible. Je ne peux pas vous parler, vous êtes pas assez proche, vous pouvez vous rapprocher. Ah, bon, on va aller parler. Les contrôles tank, c'est un classique Resident Evil, faut s'habituer, c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi là j'ai du mal. Alors je pense que c'est parce que j'ai pas du tout le clavier adapté déjà. Mais je pense que j'ai commencé aussi à m'adapter pas mal au contrôle manette. J'y arrive pas. Mais ça va, tu peux prendre l'échelle cassée. Arrête. Non ? J'y arrive pas. Bonsoir. N2 Osta, tant d'amour dans le chat, c'est beau. Coucou, je t'aime. À ce niveau-là, mais nous aussi, on t'aime. Impossible. Évidemment. À l'époque, c'était comme ça. Oui, tu as raison. Bon, après, c'est pas très, c'est pas. Franchement, c'est une question d'habitude. Tomb Raider, c'était pareil, hein, aussi, hein. Bah, un peu moins rigide quand même, mais c'était pareil. C'est toujours la double frappe sur O pour courir. Non, il faut que j'appuie sur CTRL pour pouvoir courir. Alors, cette technique pour courir m'a valu de longues séances de psy. Ah non. C'est CTRL et t'avances. La famille, stay time. Lurk mode, go on again. Il n'y a pas de souci. Vas-y,
Bonne série à toi, HDG. Bonne série à toi. Sinon, il y a Spyro et ses quelques soucis de caméra. Ouais. Mais les soucis de caméra, je tolère plus. Enfin, je tolère plus. Disons que les soucis de caméra, c'est pas forcément un problème de gameplay. Ça peut te suivre de temps en temps, mais c'est surtout dans les angles exigus, ce genre de... Ah, on a fait le tour. Ok. Ce genre de choses. Tant d'amour. Tant d'amour. Regardez. Grâce. Regardez ce que... Ce que... Qu'est-ce qu'il... Ah oui, oh d'accord, ok. C'est quand même bien pensé, hein. Rigide mais bien pensé. Regardez ce que provoque cet homme grâce à ses installations automatisées. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'avec un petit point d'exclamation jeu, vous pouvez télécharger ce jeu. Je crois qu'il est en installation automatique, lui. Notamment, et les jeux qu'on fera peut-être ce soir, et j'en profite pour vous remettre, puisque vous m'êtes sympathique, le lien pour pouvoir choisir les jeux ensuite. Le jeu, pardon. Parce que les, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'en faire plus. Donc je préfère que ce soit. On le fasse tranquillou, poulou. Voilà, on est descendu par là. Là, il y a des bouteilles. Il n'y a pas des bouteilles remplies que je pourrais prendre pour le poivreau. Le. Pardon, le monsieur qui a besoin de boire, qui souhaite boire un verre. Qui souhaite boire un verre. Hop. Mais là on peut pas passer. Mais tu dois pouvoir passer sur les deux planches, non? Un recul un peu plus vite. C'est marrant parce qu'en fait l'animation de reculer, c'est juste accélérer le recul. Je vais dans des endroits, mais je ne sais pas où pour le moment. Je suis... je fouille, hein. Par contre, ces angles de caméra, je suis désolé, hein, mais... Oui, bon... C'est un peu compliqué à voir où on va. C'est à la manière de Grim Fandango. Est-ce qu'il était sorti, tiens? Oh là là, je me pose trop de questions. Grim Fandango, il est sorti quand? Grim Fandango, qui est plus un point and click, mais... Ça me fait penser vraiment à ça dans l'esthétique aussi. Grim Fandango est un jeu d'aventure en la troisième personne, oui, effectivement. Enfin, en point and... Oui, c'était en point and click. Ouais. Il est sorti en 98, non, il est sorti après. Ah, c'est très intéressant. Ouais. J'aime beaucoup. Lego Road Raider, c'est la version PC. Tout est version PC. Tous les jeux qui sont cités, ce sont des jeux en version PC. Pour le moment, on ne fait pas de jeux console sur la bande RTV. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. J'allais dire 90, ouais, c'est ça. 98 pour Grim Fandango. Ça me fait penser, dans l'esthétisme, ça me fait penser un peu. Mais peut-être par rapport au fait que ce soit un peu terne, que tu sens que c'est pas une ville... Très, ça a l'air de pas être très bien famé. On est PC et pas n'importe quel PC. Le PC français, mesdames et messieurs, français. Pour l'instant, on fait du PC. Je sais pas si un jour on fera autre chose, mais en tout cas, qui est pas mauvais car les autres. Donald Quack Attack, j'étais surpris. J'ai vu que c'était le moteur de... Ça m'a fait rire. C'est le moteur, mais vraiment, c'est même pas une blague de Rayman 2. Donc, je trouve ça rigolo. On va dans les docks quand même. Est-ce que tu peux te descendre? Salut à toi Oblivion. Coucou, j'espère que tu vas bien. Comment ça va? Et Lego Road Creator, il est très sympathique. Alors il est disponible en deux installations. Alors bon, en France, il y a l'installation normale et l'installation Enhanced. À l'installation Enhanced, faites attention, elle vous fait installer les codecs K-Lite. Elle met un peu de temps à démarrer. Donc si vous double-cliquez que ça met du temps, c'est normal par rapport à l'installateur. Et puis les codecs K-Lite, elle vous les fait installer. Si vous les avez déjà, vous n'avez pas besoin de les mettre. Mais je crois que c'est pour faire tourner les vidéos en HD. Voilà, pour information. J'ai eu le souci quand j'ai installé le jeu, quand j'ai testé le jeu aujourd'hui. C'est pour ça que je préférais vous en parler. Grim Fandango, c'est très inspiré de Jack de Burton, c'est vrai. Ça m'étonne pas. C'est très barré comme univers, mais c'était un super jeu. Hein. Je suis très content de l'avoir fait. De l'Amiga, j'aimerais bien pour avoir de bien meilleures versions de Speedball 2, Transantarctica et la quête de l'oiseau du temps.
Mais après, je pense qu'il doit y avoir possibilité de faire un ou deux jeux, mais pour l'instant, on a dit on reste PC. Vous avez vu en haut, c'est noté en haut PC. On a noté la plateforme pour si à un moment on devait changer de plateforme. Pour l'instant, on reste sur du PC. Kalite, ça date, ouais, on n'a pas trouvé mieux. Si tu as mieux d'ailleurs, si tu as des codecs portables qu'on pourrait mettre dans l'installateur, on prend. Hein. T'hésite pas à me les envoyer en MP là et je communiquerai à l'équipe. Parce qu'on se posait la question de ça. Parce que malheureusement, l'installateur de Kalite, il t'installe des bloatware là, un con là. Et c'est chiant. C'est pas bien les bloatware. Des pourriciels plutôt, on va dire en français. Genre, il t'installe un truc pour faire partie d'un réseau, pour utiliser ta bande passante pour faire partie d'un réseau, mais ça limite le, ça veut limite dire que c'est un botnet. Ah, mais on pouvait passer. Attends, mais j'y comprends plus rien, mais depuis tout. FFD, DHO, Tryout, c'est le mieux surtout pour H264. Ah bah si tu peux dire ça du coup à Sagittaire, parce que Sagittaire se posait la question. On s'est posé la question cet après-midi. Ziop, n'hésite pas à... N'hésite pas du coup. FFD Show. Oui, FFD Show, ça me dit quelque chose. Déjà fait. Ah super. Ouais, on s'est posé la question. Ça fait une heure qu'on joue, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé. Je suis vraiment désolé, j'aime bien fouiller et je suis un peu perdu. On peut changer d'angle de caméra là. Super. Oh, des amphores. Ah non, ce sont des bouées. Apparemment, il n'y a rien à faire avec. Mais c'est vrai qu'effectivement... Alors après, j'ai vu que dans Lego Rock Raiders, il y avait apparemment une possibilité d'apporter... J'ai vu écrit avril 2021, genre il doit y avoir encore des trucs ouverts ou une communauté de fans qui doivent travailler dessus. Et je suis impressionné de voir ça. Alors j'ai essayé de lancer, ça n'a pas marché malheureusement, donc on lancera des missions normales si on y joue. Mais voilà, en tout cas c'est assez intéressant. Être perdu, ça fait partie de l'expérience du jeu avec ce système de caméra. Oui, c'est pour ça que je ne lui en veux point à ce jeu. J'y arrive pas. Impossible. Non, franchement, je suis heureux de pouvoir tester ça parce que j'en avais. Je me souviens d'avoir. Rien à faire. On avait entendu parler. Ou avoir vu en tout cas ce CD de jeu à un moment qu'on avait et. Sur PlayStation, pas sur PC. Et me dire, ben je comprends pas c'est quoi, je comprends pas comment ça fonctionne. Je me souviens. Et je dis, bien tiens, pourquoi j'y joue pas? Et je sais pas si j'y avais joué. Ça ne dit rien. Pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je suis pas sûr que... Alors, Xbit, CCCP, Lab Filter, je pense pas que tout ça ait été testé. Mais par contre, on pourra les remonter, ça. Ziup, est-ce que je peux te demander de prendre le message de Régis et de le remonter aussi, qu'on le garde dans un coin, et on en parlera à Sagittaire pour voir s'il peut tester. Parce que je sais que c'est lui qui a fait l'install auto. Ah, en fait, quand il y a la caméra, c'est qu'on peut changer d'angle... Oh, je crois que c'est ça. Pratique le fait qu'elle clignote, parce que du coup on croit qu'il y a un objet, un truc à récupérer. Mais je vais parler de CCCP, je vais pas parler de Xvid parce que Xvid, je suis pas sûr que ça passe. Mais CCCP, je lui en ai parlé par contre. J'y arrive pas. Impossible. Mais. Là, pour l'instant, j'ai récupéré des objets, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Ah, un sac de billes. On peut peut-être faire chuter le mec du bateau. Pense au garde. DNA underscore 04. On va essayer ça. On va essayer de faire chuter le mec du bateau. Ah, ça fonctionne pas. Oui, il était trop... J'y arrive pas. Au bas. Rien à faire. Ok. Allez, on va faire ça. Miette.
Oui, j'ai une tête, j'ai dit non, ça, le reste c'est des codecs pas qu'à voir si Evolution passe pas, même si ce serait qui. D'accord. Merci pour les infos. Ouh, je vois qu'on est nombreux à vouloir voir ce jeu. Je vois que vous êtes 16. Merci beaucoup à vous. Merci que vous soyez lurker ou que vous échangez dans le chat. Merci à vous d'être présent. Ça fait toujours plaisir. Encore une fois. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver de gnoll pour l'autre. C'est dommage. Casse-toi, t'as rien à faire dans le coin. Voilà, et là je me dis si je verse les billes ici, il va vouloir m'attraper, il va tomber. Je veux pas te voir traîner par ici, tu m'entends ? Et donc on pourra aller là-bas. Est-ce que ma logique fonctionne ? Après, ils aiment pas les enfants en ce moment, encore une fois, mais... Si je fais ça, ok. Parce que j'ai la clé de, du baraque à fric. Je fais ça. Je prends ça. Non, faut pas l'éponge. Non, pas l'éponge. Il me faut le sac de billes, voilà. Ok, je le dépose. Mais non, mais... Je l'utilise, je le verse par terre. Impossible. Non ? La musique me tape un peu dessus. Ouais, elle est un peu... Impossible. Le problème, c'est que si tu poses le sac de billes, ça va pas être prêt. Range-le. Mais si, c'est possible, effectivement. On est d'accord, Olivier. Tout est possible. Attendez, on va sauvegarder. DNA... Ah oui, ça passe pas comme ça. DNA 05. Un système de sauvegarde qui m'a l'air, somme toute, parfait. Tu comprends ce que je te dis? Tu préfères peut-être que je te boucle? De toute façon, la porte est pas fermée, hein. C'est bon. On peut faire du ménage, on peut faire du verre, on a une clé, justement, on a le sac de billes. Je pense que le sac de billes, moi ça me paraîtrait quand même logique que ce soit le sac de billes et qu'on avance par là. Mais combien de fois il faut que je te dise les choses pour que tu comprennes? Allez, recule, recule, recule. Allez, où ça, je peux te voir? Quelques heures dans le dépôt, ça devrait te calmer. Marche pas. C'est plus... Physique opaissante comme les enfants. Oui, c'est... Bonne analyse, ça. Ah merde, j'espère qu'il faut pas remettre le fusible. Hein. Hey, salut de cowboy. Comment ça va? La forme? Coucou. Il y a longtemps que j'ai... Dans le but de boire un verre. Ah, faut juste que je vérifie. Sur Discord, sans vue, ça ne risque pas de fonctionner. Sur mon... D'accord, j'ai fait une mention que sur mon Discord, pas sur le Discord de Salem. J'aurais pas fait. Non, j'ai pas fait ce terrain. J'ai eu peur. Quoi, ça fonctionne pas, faut remettre le fusil. Bah non, c'est bon. Chargement d'une partie, on recharge la partie, c'est bon. Et je peux pas lui tirer. Ah non, je peux pas lui proposer. Oh, attends, vous voulez pas boire? Ce jeu t'aime étrange pas. Ben, j'avoue que je ne. Tu comprends ce que je te dis? Tu préfères peut-être que je te boucle? Mais je peux te frapper avec la bouteille. Rien à faire. Je pensais pas qu'il était si connu ce jeu, vous voyez? Donc ça me surprend que vous le connaissiez. Donc ça fait plaisir. Du coup, c'est vraiment un jeu que je découvre. Oui, cours. Voilà, je fais le tour, là, comme ça. J'ai l'impression que je peux fuir, en fait. Regarde le film, plutôt. Je sors que vous voulez... Je regarde le film. Par contre, ouais, j'arrive pas à comprendre. Je vois des bouteilles, ici. Mais plus connu. Ben j'ai l'impression hein. Mais j'ai découvert que ça venait d'un film que récemment, en voulant justement tester le jeu là, il y a 2-3 semaines. Ouais, c'est impossible. Non, tu peux rien prendre. Impossible.
Attends, mais tu peux t'accroupir, toi, c'est vrai? Rappelle-moi. C'est un film de Jeunet, je crois, oui, ils ont cité Jeunet. Ah merde, on peut pas marcher accroupi. Je peux pas me baisser. Bah oui, c'est dommage, pousse, pousse. Je peux pas me baisser. Ouais, ça date. Ça date en 14. Bah oui, mais. Casse-toi, t'as rien à faire dans le coin. Attendez, je vais essayer de trouver quand même une solution parce que on va pas rester bloqué ici. Je veux pas te voir traîner par ici, tu entends? Plutôt que je suis curieux de voir la suite, quoi. Solution, cité des enfants perdus. Parce que c'est guide. Ah tiens, il y a un souci. Cambriolage, salle de classe, cambriolage là-bas. L'action débute dans la salle de classe de l'orphelinat des Trois Colombes. D'accord, donc on était là effectivement. Tous les mecs de l'époque en parlaient alors que c'était pas du tout dans le délire des blockbusters de l'époque. Pieuvre, la directrice ordonne à Miette de commettre un vol dans la baraque des recettes et lui dit de voir Pelade pour avoir la clé de la baraque. Pieuvre nous a jamais demandé ça. Parlez à Pieuvre, demandez-lui la clé de la cabane du caissier. Ramassez un sac de billes sur l'étagère. Ramassez une éponge au tableau. Attention, si vous restez trop longtemps, vous serez jeté dans la cave. Allez voir Pelade et demandez-lui la clé. Ramassez un os dans la poubelle. Ramassez deux bouteilles en destinée. Sortez de l'orphelinat et allez au phare. Ramassez une brosse. Ramassez une bouteille vide. Allez au phare. Ramassez une barre de métal dans les paquets à l'entrée du port. Une barre de métal? Dans les paquets à l'entrée du port. C'est où l'entrée du port? Une barre de métal, une barre de fer. Pour moi, l'entrée du port, c'est ici. Non. Là, ce sont pas des barres de fer. Non. C'est plus simple, les FPS, avec des attaques. Ah ouais, non. À moi, Back 4 Blood, je panique. Et pourtant, il n'y a aucune raison de paniquer, hein, mais... quand il y a trop de trucs à faire, là, j'arrive pas à savoir où il faut que j'avoue, c'est pas... sur ma chaîne personnelle, pardon, on joue à des jeux... sur ma chaîne personnelle que je tiens aussi, vous avez des informations aussi, ça peut vous intéresser au cas où. Mais vous êtes pas, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de venir. Et non, c'est pas là. Et donc du coup, effectivement, hein, y a des jeux comme ça où j'ai du mal, je panique, parce qu'il y a trop de, d'informations. Enfin, trop d'informations. Mais je comprends pas, pourquoi il me dit qu'au début, à l'entrée du port. Moi, c'est pareil, tant que je connais pas mon rôle et ce que je dois faire, c'est n'importe. Oui, voilà, c'est ça. C'est, on a besoin d'ordre. Mais ici, je peux pas. À l'entrée du port. Je suis à l'entrée du port. J'ai des barres de. Heureusement qu'il y a une solution, hein. Je dois avouer. Non. Bon, dépêche-toi. Voilà. À l'entrée du port. C'est peut-être pas ça le port. Là, ici, là. Parce que j'ai pas de barre de fer. Et c'est pour ça, c'est bizarre, parce qu'il me parle de pieuvre qu'il faut... Non, ça c'est fait. Et là, j'ai trouvé une brosse, là, ici. Il y avait pas du... Là, c'était pas une porte, là. Impossible. Non, voilà.
Ah, j'ai besoin d'un guide, effectivement, là, parce que... Là, il y a des... Il y a des trucs, là, au mur. C'est ça? Non, c'est pas ça. Là-bas, ce sont des portes. Et ils disent où, là, la barre de fer? Barre de métal, la jetée du phare. On n'est pas qu'à l'entrée du port. La jetée du... Bah si, alors c'était là où on était. Je sais plus. Non, c'était là où on était, si. C'est là où il m'enferme, là. Il m'enferme par cette porte, je crois. Si, la jetée du port. J'ai du mal fouiller, hein. C'est le genre de jeu où il faut extrêmement fouiller. Déjà, de base, moi, je fouille extrêmement, mais... Des fois, je lâche un peu la pression, et c'est pas le genre de jeu sur lequel je dois lâcher la pression. Donc, dans les paquets à l'entrée du port. Là, genre là. Oh! Non, ok. Pourquoi tu m'autorises à monter là? Mon schéma commence à avoir de la gueule. Ah! Ah, 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 ah. Non, 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 Miette. Là, 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 là. J'ai vu un truc là. Bon, ok, si, donc c'est là, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle, ça, The Cowboy. Que tu puisses préparer ton chez toi. Tu sais que dans la cour de l'orphelinat, fallait prendre deux bouteilles. Mais j'en ai deux. Ah, mais j'en ai pas pris deux. J'en ai deux, mais j'en ai pas pris deux. J'en ai pris une autre part. Alors là, il y a des barres, là. Là, il m'a dit, ah, oh, il y a une barre à prendre. Oui, non, mais d'accord, mais... C'est facile de dire ça, là. Rien à faire. Mais non, mais il n'y a pas rien à faire. Impossible. Mais la barre, elle est sur le paquet, là. Attendez. Je me rapproche de l'écran pour dire à quel point j'essaye. Hein. Ah, ok. Là. Barre de métal dans les paquets à l'entrée. Mais je l'ai vu en plus, la barre de métal. Elle l'a affichée un moment. Mais où? Celui-là, il m'a affiché un truc à récupérer, là. Ça vient rajouter les gravures. Je comprends pas, il m'a activé le truc là tout à l'heure. Mais. Il m'a bien activé le fait qu'on pouvait récupérer un objet. Mais si, 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 c'est possible. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je commence à m'énerver en fait. Mais je veux pas m'énerver sur le jeu. Ah! Oui! Là, voilà. Une barre métallique. Voilà, c'est bon. Et je la range. Ok. Ramasser un sac de bière, ramasser une éponge. Parler à Pio, demander la clé de la cabane. Ça, c'est machin. Alors, t'as couru une fois fait et te baisser dans la boîte à opposé du phare pour te cacher. Ok. Là, c'est ton temps. Non, 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 allez voir la pièce. L'ad, donc c'est le mec qu'on a, un os, l'os je l'ai ramassé, j'ai donné au chien, ramasser deux bouteilles en haut de l'escalier, sortez de l'orphelinat et aller au phare, ramasser une brosse, ramasser une bouteille vide, aller au phare, ramasser une barre de métal, lorsque vous êtes près des grillages électriques du phare, lancez la barre de métal dessus pour court-circuiter la nuit. D'accord, lorsque vous êtes près des grillages électriques, il y avait des grillages électriques, des fois je me rends compte vraiment de rien.
D'accord, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut que je le fasse. En gros, le gardien en a pour rien. Ah oui. Ah oui, donc il faudra que je me cache. Ouais. Ah, et après je peux monter, je peux aller dans le barato. D'accord. Je change d'angle. Ok. Impossible. Non, c'est pas ça. Ok, bah la barre électrique, c'est justement le bouton qui est là. Ici. Voilà, et là je peux l'atteindre avec la barre. Voilà, ok. Pourvu que j'arrive à l'éteindre. Ah oui. Ah oui. Ouais, après faut arriver quand même. Ouais, tu fais bien. Tu fais bien, merci beaucoup parce que j'avoue que. On dirait qu'il y a quelqu'un près du phare. Oh, c'est encore cette sale gamine! Tu vas voir un peu si je t'attrape! Et là, vite! J'espère qu'il fallait pas récupérer la barre. Je t'y prends, tu vas voir ce que je réserve au moyen de ton espèce. Allez, où ça, je puis te voir? Mais attends, mais elle a eu le temps. Oh non! Mais là, c'est foutu! Non, c'est ouvert. Ah, derrière le. Oh, que je suis con. Moi, je croyais qu'il fallait contourner en fait. Bon, c'est pas grave, on va retourner, on va retrouver une autre barre de fer. Hein. Déplacement à l'habitude. Oui, les déplacements sont assez rigides. Mm. Donc lui, voilà. Et qu'elle n'est pas content. Par contre, j'ai plus de barre de fer. Voilà. Plus de barre de fer ici. On va voir si. Non, et oh! Tranquille hein, dans le chat. Hein. Oui, les caisses, d'accord, oui. Voilà, donc là. Je prends la barre. Je vais sauvegarder. On va y arriver. DNA 06. Allez. On est bon. Pourvu que j'arrive à l'éteindre. Et là, on va à droite, là. Bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tiens. Cours! Pas te cacher! Accroupi! Si, tu peux te baisser! Pousse, pousse! Impossible de m'accroupir ici. Si, tu peux. Je peux pas me baisser. Voilà. Ah, je t'y prends. Tu vas voir ce que je réserve au voyou de ton espèce. Mais je suis super bien caché. Allez, où ça, je puis te voir. Quelques heures dans le dépôt, ça devrait te calmer.
Oui, oui, vous inquiétez pas, Régis et Obligé se connaissent, ils sont sur ma chaîne de base. Ah, sont canaillés, on va dire. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite blagounette. Sur un bon noir France, ça n'empêche qu'on s'apprécie tous, évidemment. Ok. J'étais spotted. Ah mais non, mais j'aimerais bien en fait me cacher dans cette cabane là. J'y arrive pas. Impossible. En souvenir, hein. Bon, accroupis-toi. Impossible de m'accroupir ici. Faut être bien derrière les boîtes, ok. Je suis sûr qu'il me voit pas. Je t'y prends. Tu vas voir ce que je réserve au voyou de ton espèce. Que j'allais dire. Je suis sûr qu'il me voit pas en train de courir devant lui, aller me cacher devant les boîtes. Allez, où ça ? Oui, bon, ça va, hein ? Donc ! Excuse-moi de... Hein ? Mais tu vois, il manquait la partie. Je te demande d'aller faire ça. Il manquait une cinématique, je pense. Ou j'ai loupé une cinématique. Allez, vas-y. Pourvu que j'arrive à l'éteindre. Pourvu que j'arrive à l'éteindre. Ok. Impossible de m'accroupir ici. Mais si, tu peux t'accroupir. Voilà, voilà, oui, voilà, là, on est discret. Sommes-nous ? Je ferais mieux de rester un peu ici. Oui. Ah, il y a autre chose. Il y a un problème avec le phare maintenant. Bon. Qu'est-ce que tu m'as fait cette fois ? Oh, et puis, pas la peine de te cacher, je sais que t'es là ! On peut désormais rentrer dans le phare ? Ce serait bien. Mais d'abord, DNA 07. Parce qu'on est des pros. Bien. Nickel. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, on y va. On peut l'électrocuter pendant qu'il y est. Direction grave. Non, je veux rentrer dans le phare. Non, déjà, je vais reprendre la barre de fer. Parce que. On ne sait jamais. Elle peut. Tout faire. Et là, on va. La truc. J'aurais jamais pensé que... J'ai pas vu la barre de fer, en fait, sur la boîte. Tout faire, ça fait chose impossible. Oh ! Tu pinailles, j'ai envie de te dire. Bon. Voilà, et là, on peut y aller. Tu pas un truc à faire ici? Oui, tu peux ranger la barre de fer. Hein. Range! J'ai la clé, et là logiquement il va me dire. C'est fermé à clé. Oui, mais j'ai la clé. Tiens, regarde la clé de la baraque. Je la mets dans ma poche et tu ça peux y est, l'utiliser. C'est ouvert. Voilà! On est trop fort! Voilà, la porte est verrouillée. Mais non! Ça y est, c'est ouvert! Bah oui! Range la clé. Ce jeu est criant de logique.
Et là maintenant on la ferme à clé parce que comme ça le monsieur il peut pas venir nous faire chier. Non. J'y arriverais mieux si j'avais les mains libres. Ah d'accord, bon, laisse tomber. Donc là il y a un truc, là il y a une étiquette à prendre. On peut changer de vie. Ah non, c'est une caisse. Je vais pas toucher de suite là. Ce que je disais, c'est que je vais pas tout de suite toucher l'armoire électrique. Là, ici, là. Voilà. Et là, c'est bon. Oh, il y a une autre porte. Ça va, c'est une caisse. Et là, donc, du coup, il y a rien qui a changé. Je peux rien prendre. Il y a rien sur le bureau. Je peux pas ouvrir un tiroir, impossible. Un truc. Non. Oh là, tu peux pas prendre la. Impossible. Non. Pourquoi cette porte est. Pourquoi cette armoire est électrisée? Aïe, il y a du courant là-dedans. Oui, mais pourquoi? I don't understand what are you doing. Rien à faire. Attends, il doit y avoir un truc avec les objets. Si je jette la... Si je jette la barre métallique dessus, bon, il n'y aura plus d'électricité. C'est ce qui a fait que ça fonctionnait tout à l'heure. Donc oui. Impossible. Non ? Il y a du courant là-dedans. Ok, non, c'est pas ça. Une éponge. Il faudrait que je combine les... Vas-y. Aïe, il y a du courant là-dedans. Non. Ah, le sac de... Aïe, il y a du courant là-dedans. Mais non, c'est pas logique. Registre des comptes. Ah mais... Fais ça 20 fois pour voir si... On va peut-être pas faire ça. Ça, ouais, ok, d'accord. Faut ouvrir ça. C'est ça, ok. Attention, tu vas réfléchir un peu. J'ai lu. Mais de toute façon, je me suis donné comme indice déjà au moins de faire ça. Mais j'aurais été bloqué quand même, donc y a pas de souci. Donc j'avance un petit peu. Voilà, et là, c'est plus électrisé, d'accord. Enfin, le voilà. Je sais toujours pas pourquoi on nous a demandé de voler ça. Hein. Oh! Sale voleuse! Tu vas voir si je t'attrape! Lâche-moi, tu me fais mal! Ça va? Je crois, oui. Moi, Juan. Qu'un seul de chaîne à la fois. Aide-moi à chasser petit frère. Boré. Pas le temps, je retrouvé la pieuvre. Tu t'es bien débrouillé sur ce coup. Maintenant, écoute. Tu vas filer chez l'usurier et nous ramener le contenu de son coffre. Et pas de manigance, compris? Mais on est une petite frappe. C'est ça? Tu joues avec nos nerfs, Miette. File ou on jette au trou.
Non, j'ai déjà testé ça. C'est... Et là, un zombie. Faut que j'aille voir un autre gars. Ok. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens de parler. Oh, il y a une bouteille. Je prends. Toujours intéressant. Si tu récupères mes billes, je te filerai un peu de ma potion. Ah, mais j'ai des billes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je prépare une potion pour calmer les maux de tête de la pieuvre. Attends, les billes, je les ai. Déjà, les billes. Tiens. Dis-moi, tu sais aller chez l'usurier? Passe par la porte et va jusqu'au fond de la cour. Là, il y a un chemin qui te mènera sur les quais. Qu'est-ce que tu sais d'autre, l'usurier? Eh, je suis pas ta bonne, débrouille-toi toute seule. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je prépare une potion. J'y arriverais mieux si j'avais les mains libres. Oui, mais tiens, donne-lui. Merci. Tiens, et fais gaffe à la bouteille, hein, c'est pas du pinard. Ok. Voilà. Et la brosse, il va falloir que je la retrouve parce que du coup, je l'ai utilisée auparavant. Oh, j'avais pas vu sa tête. Ah, ah. J'y arrive pas. Mais si, bien sûr que tu y arrives. Voilà. Et là, tu peux ouvrir l'armoire. Je vais voir le bourré avec la bouteille de machin là, il va être content, ouais, c'est ce que j'avais pensé. Enfin, d'abord, je... J'y arrive pas. Ok. J'y arrive pas. J'essaie un peu tout, hein, et après j'irai voir le bourré. Parce que le bourré, ouais, il va... Ah! Ah, je savais que c'était le même. Oh! Prendre, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Une part de gâteau, très bien. Ça servira peut-être pour... Tu peux fermer, merci. Ah ben, une autre part de gâteau. Ou c'est du camembert. Un morceau de fromage. Impossible. Non mais oui, mais non mais... T'as... Bien sûr ton inventaire. Rien à faire. Ok, ok. Impossible. Là ça, j'ai les objets en tête un peu, donc je vois ce qu'il faudrait à peu près faire. Enfin, pas vraiment, mais bon. Impossible. J'ai toujours pas qui c'est l'usurier, mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. Qu'est-ce que tu me veux? Ça va? Oh là là! On vient te rendre visite, on vient te faire un petit coucou et tu nous. Putain, c'est quoi cette amabilité dans cette ville? Impossible d'ouvrir le frigo. C'est malheureux, hein, parce que c'est bien les frigos. Tiens, je vais reparler à lui. Arrête de m'énerver, ou je te jure, je te balance dans la cave. Mais. Rien à faire. J'essaye d'être sympa avec les gens et ils me... J'y arrive pas. Ils me gueulent tous dessus. C'est toujours fermé, ça. Je suppose. Je t'ai vu. Enfin, sache que tu te fatigues pour rien, c'est fermé. Ok. On va essayer. Tu les cherches aussi. Non, mais... Je leur parle. Je veux dire, bon, je leur parle, quoi. Alors...
Le vigile est méchant. Je le déteste comme son phare. Ah oui, tiens, et oui, le bourré, il est là. J'ai pas compris que c'était lui. Il a l'air d'avoir un truc au... dans l'eau, là. La brosse, elle était là, je crois. Le vigile est méchant. Je le déteste comme son art. Salut. Rien à faire. Mais si, 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 bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Le vigile m'a viré, mais m'en fous, j'ai à boire. Ouais. T'as l'air d'aimer le vin. Ouais, ça pour sûr, mais bon, ça nourrit pas son homme. Qu'est-ce que tu fais là? Le vigile m'a viré, mais m'en fous, j'ai à... Tu veux de la bouffe? Tiens. Super. Paf. Verse-t'en donc une petite brasade. Mais... T'as l'air d'aimer le vin. Ah, ça pour... Qu'est-ce que tu fais là? Le vigile m'a viré. T'as l'air d'aimer le vin. Ah, ça pour sûr, mais bon, ça... Qu'est-ce que tu fais là? Le vigile m'a viré, mais m'en fous, j'ai... T'as l'air d'aimer le vin. Ah, ça pour... Tu veux une part de clacos? Tiens. Merci. Allez, trinque avec moi. À ma santé. J'ai rien à faire de tes babioles. J'ai faim, moi. Et non, 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 il a faim. Il veut pas le la potion. Non, non, il a faim. Impossible. J'ai essayé, Régis, mais il veut pas. Non, non, il veut pas le vin. Merci. C'est ce que je viens d'essayer. Allez, trinque avec moi. À ma santé. Bah, je t'ai pas donné assez de bouffe, gars. Je vais pas lui donner une bouteille vide. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ça se mange pas, ton truc. J'ai rien à faire de tes babioles. Non, tu vois, il veut pas. J'ai faim, moi. Poulet, fromage, gâteau, ouais, c'est ce que j'ai donné. C'est un bon repas, ça, non? Je pense qu'il doit me manquer un truc de bouffe. On dit à Miette que son petit frère d'Henri a été kidnappé par le cyclope et qu'il a besoin de Miette pour retrouver en tenant le fantomial, c'est automatique, ouais. Si vous faites t'attraper, quoi. Ouais, ça c'est au cas où, ok. Si on est jeté plus de trop fort dans la cave, game over, hein, d'accord, ok. Pieuvre nous donne une mauvaise nation, on est dans la maison, on est en train de t'as pas pris le fromage? Si, j'ai pris le fromage, je lui ai donné, c'est la deuxième part que je lui ai donné. Ah, la potion, faut que je la donne à celui qui est assis, la potion. Faut que j'endorme, c'est ça. Ah, je vais tout donner à bouffer. Je voudrais t'endormir sur le dos d'un whisky. Donc Pelade, il est là-bas. C'est lui, là. C'est lui, Pelade. Donc c'est à lui qu'il faut que je donne la bouteille de vin. Salut. Merci. Le vin, y a rien de tel pour tuer les microbes, crois-moi. Sauf que c'est pas du vin. Idiot. Il est fichtrement fort, ton jus de raisin. J'y arrive pas. Ouais, non, elle est colorée.
Rien à faire. Donc là, maintenant, on peut monter. Alone in the Dark and the Longest Journey, c'est Zelo, exactement. Bonsoir, Koreusa. Bonsoir à toi. Bienvenue sur ce stream, j'espère que tu vas bien. Je cherchais la clé. Solidor, on peut y aller, hein. Par là-bas, là. Impossible. Quoi, comment ça, impossible? Je peux pas ouvrir, y a pas de poignée. Oui, mais c'est pas grave, tu vas utiliser un autre objet. Genre. La bouteille vide. Je peux pas ouvrir, y a pas de poignée. Là-bas? Je peux pas ouvrir, y a pas de poignée. Oui, mais d'accord, mais. Mais qu'est-ce que. Pas d'autre. Pas d'entrer dans sa chambre. Mais c'est où sa chambre? Je comprends pas, c'est là? Non mais il faut que... Attends, range ça. Faut bien que je fouille pour trouver la poignée. Prendre par la fenêtre. Là, la fenêtre là. Attends, on me dit pas qu'il faut que je... Mais non, je peux pas passer par la fenêtre, elle est trop petite. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Par là, là, il y a une porte, là, peut-être, c'est ça? Impossible. Bon. Bon, je vais dormir parce que demain, le veto pour terminer la jambe. Il n'y a pas de souci. On se retrouve demain, The Cowboy pour Doki, hein. On est d'accord. Hein. Bonne game, merci beaucoup, The Cowboy. Bonne soirée à toi, repose-toi bien. Des bisous, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude. J'arrive pas à comprendre où elle est la poignée. Mais là il y a un petit panier. Je change la caméra. Ah oui putain c'est vrai, j'ai pas l'habitude de... Ici je peux pas changer la caméra. J'y arrive pas. Mais peut-être tu peux le faire autrement, tu vois. On va vérifier. Parce que là, il y a ce panier là qui vole. Là. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'on peut faire un truc avec. Rien à faire. Non, oui, non. Non. On bat l'escalier. Là, ici, là, il y a un truc à faire là. Ah, voilà. C'est ça, il y avait un truc à prendre. C'est ça. Ok, vas-y, rebaisse. Je me disais que ce panier était louche. Un saucisson. Ok, donc je le mets... Ah, c'est bien, ça va servir au mec. Et une poignée de porte. Voilà. Voilà, on avance, on avance. Nickel. Et donc là, je peux utiliser la poignée de porte avec ça. Voilà. On avance. Tu peux allumer la lumière. Rien à faire. Une poignée en... Non, 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 c'est un saucisson et une poignée de porte. J'y arrive pas. Impossible.
impossible. Impossible. Rien à faire. Les gens peuvent me dire, ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Mais ouais, mais c'est à côté de la. Je suis désolé, mais c'est à côté de la porte. Moi, j'ai peur d'activer la porte. On va me prendre pour un con. Après, on va vraiment croire que je sais pas jouer. Hein. Vous auriez le droit de croire ça, mais bon. Ça me gêne, quoi. J'y arrive pas. Oh, musique de suspense. Rien à faire. Impossible. Attention, tac. Attention, spoiler, backseat, attention. Cherche la clé. Non mais, je me doutais qu'il fallait chercher la clé. J'y arrive pas. Là, quand même, je... Je me doutais un peu. Rien à faire. Ah, la clé, le feu, parfait. J'ai la clé. Clé de la cour. Ah, bien. Rien à faire. Super. J'y arrive pas. Et le saucisson, je vais le donner au mec. Ça lui fera plaisir, là. Il aura mangé. Rien à faire. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur les décors, mais impossible. Les personnages, ils ont passé un dernier moment. Quoi. Bon, si il y a deux solutions possibles. Eh ben... C'est cool, oui. Soit je me fais choper, je suppose. Ah oui, d'abord, il faut que je range. Voilà, et là, hop. Bon là, qu'il n'y ait plus de poignée, on s'en fout. Hein. Là, je vais faire comme si de rien n'était. Je vais reposer la poignée. Je vais reposer la poignée, parce que sinon, il va détecter. Non. Bon, le saucisson, par contre, je le garde. C'est un oiseau qui l'aura pris, ça va. Une poignée de porte. Oui. Et là, tu la déposes. Il n'y a pas assez de place ici. Mais si, dans le panier. Il n'y a pas assez de place mais, ici. Mais miettes. Je peux rien poser ici. Mais si. Si, tu peux. Il n'y a pas assez de place ici. Bon, ben, tu peux pas. Ben, range, du coup. Impossible. Ah. En fait, l'os pour le chien, c'était pour ne pas juste. Mais moi, je veux reposer la poignée. Voilà, c'est tout. Rien à faire. Non, ok. Allez, laisse tomber. Ça marche pas. Ça ne marche pas, mais je vais au moins remettre le panier comme il faut. Qui détecte rien. C'est du dodo pour les anciens monito. Bonne nuit à toi, Ziup. Merci beaucoup d'être passé. Ce fut un plaisir. Mon cher. C'est pour ça que si j'avais donné l'os, j'aurais été dans la mouise, hein, parce que la brosse là, elle m'aurait servi à rien pour le chien. Elle m'aurait servi à rien du tout. Attendez, je vais donner le sauciflard à monsieur la bouffe. Parce que peut-être il va me dire, oh t'es bien sympa toi, merci pour m'avoir nourri. Je te donne du coup ça en échange parce que tu es bien sympathique. Et c'est de l'or. Je voudrais t'endormir sur le dos d'un whisky. Ce qu'il dit a toujours aucun sens.
Ça sert à rien le saucisson maintenant. Mais oui, mais bon, tu vois, c'est important de donner de la nourriture quand on peut. Voilà. Voilà. J'y arrive pas. T'arrives pas à donner un saucisson, tu te fous de ma gueule? Super, verse ton don et tes phrases. Qu'est-ce bon. Que tu fais? Le vigile. T'as l'air d'aimer le bras. J'y arrive pas. Bonsoir, THX. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis pris dans le ce jeu. Le vigile est méchant. Je le déteste comme son var. Bon, ça sert à rien. Bon, c'est pas. On va. Pardon. J'y arrive pas. Remplis tes bouts. Ah! Tu veux dire que quand il verse donc une petite rasade, c'est pour remplir les bouteilles? Oh, mais qu'il est con! Et remplis-le automatiquement, Miette. Du coup, oui. J'ai rien à faire de tes babioles. Oui. J'ai faim, moi. Bah non. Mais ça marche pas. Rien à faire. Mais non. Mais non, ça... Mais non. Mais non, Pelade, on lui a donné la potion du poulpe. Ah oui, c'est que... Oui, si on n'avait pas eu la potion, on serait passé par là. D'accord, j'ai compris. Oui, j'ai déjà endormi. Mais effectivement, si on avait eu la... Si on n'avait pas utilisé la potion de l'autre avec les billes, effectivement, ça aurait été... clé de la coupe. Donc c'est ça... J'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Ça me paraît logique. Du coup. Soit on donnait des billes. C'est bien, c'est très bien pensé, ça, d'avoir deux solutions différentes. C'est très très bien pensé. Soit on donnait les billes au gamin qui nous donnait une potion pour endormir, soit on donnait de la bouffe à l'autre. Et donc... Non, lâche. Est-ce que c'est là, sinon? Impossible. Soit on donnait de la bouffe à... J'ai une bestiole sur l'air ? Non, j'ai pas de bestiole. Il y a quelque chose qui me grattait, mais... Rien de bien transcendant. Ok. Oui, soit on donnait de la bouffe, du coup, voilà, c'est ça. Ok, maintenant j'ai compris. Putain, mais j'ai compris. Ça, c'est bien. J'ai bien rien compris. Rien à faire. Nagri était juste après le chien. Ah! Je me repère pas, hein. Le vigile est méchant. Je le déteste comme son var. Je suis agréablement surpris de voir que du coup ce jeu avait son... Parce que là il y a une grille aussi. Ce jeu avait son public quand même pour ça. Je pensais pas que. Franchement, je pensais vraiment que c'était inconnu. C'est pas là, donc c'est effectivement à côté du chien. Et effectivement, je crois qu'il y avait une porte à côté du chien. Impossible. Ben, j'y arrive pas. Y'a pas de porte. C'est ça? Sinon c'est ça? Ça? Impossible. Non. Ça? Impossible. Non.
En fait, tu accèdes à la cour de l'orphelinat. Donc là, je suis à la cour. Ah non, je suis pas dans la cour de l'orphelinat, d'accord. Mais je sais pas, oui. C'est goûter vite deux dans la cour. Ah oui, voilà. D'accord. Voilà, non, ça c'est ce qu'il nous avait dit, d'accord. Ok, ok. Donnez-moi. Donc le chien, c'est à côté du chien, hein, mais je vois pas la grille. Allez. Celle-là, là. Impossible. J'y arrive pas. Ah, ceci, c'était pour le chien, s'il y avait déjà donné. Ah ouais, d'accord, ok, bon, c'est... Ah mais c'est une porte! Ah mais c'est une porte! Je croyais que c'était un mur! Ah oui, d'accord! Ah, délicatessen! Ah ben voilà, délicatessen. Je sais pas qui c'est qui en parlait dans le chat. Ça va, THX? Je sais pas si je te dis bonjour, je redis bonjour. Je crois que je te dis bonjour, mais j'aime bien redire bonjour. Voilà, ok. Là, je comprends mieux. Après, il y a des délicatessen. Et toi ? Ah, c'est toi qui avais dit délicatessen ? Ah, bah voilà, bon, parfait. Merci, Régis. Impossible. Tu peux pas parler au monsieur ? Mais si. Allez. Dégage, te dis. Je le répète pas une fois. Non mais. Impossible. Dégage, te dis. Je te le répète pas une fois. J'ai bien envie de te le faire répéter 10 fois, moi. Enfants dans ce monde, ah, ils ont un problème. Le film, il n'oublie pas de changer de caméra. Ouais, ouais, ouais. Des bisous. Merci beaucoup à toi, Régis. Encore une fois, merci à toi. De toute façon, je pense qu'on a fait 2 heures sur le jeu. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter. On va essayer de d'avancer encore un peu. De toute façon, j'ai la souris à côté. Bonne nuit à toi. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Et d'avoir, de m'avoir guidé dans la joie et dans la bonne humeur. Merci beaucoup encore une fois à toi. Donc là, on peut pas monter. Par contre, on peut aller au délicatessen. Donc, on va aller au délicatessen. Rien à faire. Mais non, mais oh, ben, y a vraiment, y a rarement, y a souvent rien à faire avec toi. Hein. J'y arrive pas. Ouais, je constate. Hein. Excusez-moi. Peut-être qu'en essayant comme ça... Eh, hey, l'orphelinat, il est là, non? Oh, quelle plaie! Tu sais comment rentrer chez l'usurier ? Va jouer ailleurs, s'il te plaît. J'ai déjà assez de mal avec le moteur. Mais... Tu laisses ça tranquille ! Tu sais comment rentrer chez l'usurier ? Va jouer ailleurs, s'il te plaît. Mais... J'ai déjà assez de mal...
sont vraiment pas gentils, les gens dans ce monde. Tu peux rien à faire. Peut-être qu'en essayant comme ça. Et la cloche là. Là, il y a un truc à faire avec la cloche. J'y arrive pas. Ah, j'ai eu un truc à prendre. J'y arrive pas. Elle est trop bien attachée. Oui, mais du coup, avec la. C'est pas ça qui va m'aider à détacher la clochette. Non, ce serait la barre, pas non plus. C'est la pince qu'il a à côté. C'est pas ça qui va m'aider à détacher la clochette. C'est la pince qui va aller, qu'il a à côté qui va l'aider. Mais par contre, faut que j'arrive à détourner l'attention du mec. Comment je peux faire? Peut-être qu'en essayant comme ça. Ce plan m'étonne. Ouais. Rien à faire. J'y arrive pas. J'essaye des trucs. Ouais. Impossible. Impossible. De changer de caméra là. Rien à faire, le problème vient d'autre part. Impossible. Regardez les trucs, ça sera plus simple. Rien à faire, le problème vient d'autre part. Problème bien d'autre part. Quand il est planche, quand d'accord, quand il est ok, j'ai compris. Bon, je fasse que quand il est penché dans le moteur. Comme ça, il voit pas. C'est pas un truc pour le distraire en fait. Saleté de moteur. Pas moyen de faire tourner. Voilà. Le jeu m'a fait un petit bug qui fait pas confiance là. Peut-être qu'en essayant comme ça. Voilà, je devrais pouvoir la prendre maintenant. Hop, ok. Nickel. Et là, je vais sauvegarder. On va faire sonner la clochette, mais après, hop, on verra ce qu'il y a à faire. Underscore 08. Hop là. Clochette. Rien à faire. Ok. Maintenant j'ai la clochette, je dois pouvoir l'utiliser pour faire sonner. Comment ça s'appelle? Vraiment de la camelette, étant le. Ah, je sais plus le nom. Le. Le mec là qui me bloque le passage. Vraiment de la camelote cet engin. Si tu le dis. Pendant ce temps là, nous on fait notre truc, hein. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez voter. Je crois que c'est ça. Ouais. Sur le jeu qu'on fera après, on va bientôt passer à l'autre jeu justement. Ça m'étonne que le délicatessen ne puisse rien faire. Genre on ne puisse pas rentrer. Genre c'est pas une histoire de faut une poignée, c'est juste. Prochain jour on y jouera par contre qu'une petite. Du coup on a passé déjà combien de temps? J'y arrive pas.
Là, ici, si je me mets ici et que je fais sonner la cloche. Impossible. Non ? C'est quoi alors qu'il faut faire ? Utilise la cloche sur la rampe de l'escalier pour neutraliser le cyclope. Sur la rampe de l'escalier ? Pourquoi sur la rampe de l'escalier ? Oh, arrête, ça me rend dingue ! Ouais. Oh, arrête, ça me rend pitié ! J'ai mal aux os. Oh, arrête, ça me rend pitié ! J'ai mal aux oreilles. C'est pas pour autant qu'il va nous laisser passer, hein. Bon, tu me laisses passer ? Dégage, je te dis ! Je te le répéterai pas, dis-toi ! Impossible. Alors, je comprends pas, parce que je l'ai exécuté, ça le fait chier. Impossible. Donc non, faut vraiment l'utiliser là-bas. Ça c'est sûr. Ton truc. Arrête, je supporte pas ce bruit. Oh, arrête, ça me rend dingue. Faut le faire 20 fois, faut le faire combien? Pitié, j'ai mal aux dents. Arrête, ça me rend dingue. Genre à un moment il va partir. Arrête, ça me rend dingue. Arrête, ça me rend dingue. Arrête, ça me rend dingue. Arrête, je supporte pas ce bruit. Arrête, ça me rend dingue. Arrête, je supporte pas ce bruit. Ouais. Oh, arrête, ça me rend pitié. J'ai mal aux oreilles. C'est que j'utilise pas au bon endroit, je pense. Hein. Non, ah. Non. Oh, voilà. Non. J'utilise pas au bon endroit. Oups, il est tombé. Oups. Allez, va. Hop. Mais je comprends pas... Ah, mais le jeu est très court, en fait. Bon, on fera pas le jeu, hein, mais on fera pas le... Mais en fait, là, on est déjà... On est déjà au milieu, voire proche de la fin. J'y arriverais mieux si j'avais les mains libres. Ouais, je te libère les mains. Ouais. Peut-être que si on pourra finir, je sais pas. Je sais pas. Hop, ça c'est sympa. Ça. Rien à faire. Une balance.
éviter de poser sur la balance. Oh! Pas reprendre ça. Rien à faire. J'aurais été moins flag. Impossible. Apparemment, j'ai rien d'autre à faire ici. Impossible. Ok. C'est pas grave. Je tolère, je tolère. Belle cette maison en tout cas. Ouais, let's go. Hop. Ça y est, la voilà. Dis donc toi, qu'est-ce que tu fabriques là, hein? Hé, hey, lâche-moi. Arrête de gigoter. Elle sait pas nager, c'est ça? Ah, mais elle a un scaphandrier. Oh, elle a un scaphandrier qui vient la sauver. Wow. Oh non, j'ai failli me noyer et en plus j'ai tout perdu. Oh, dommage. C'est dommage. Alors, est-ce qu'il y a un monsieur, le monsieur... Là, il y a des leviers. Qui meurt là. Ah. Impossible. Ok. Ah, il y a un truc qu'on peut monter là, non? Là. Rien à faire. Si, si, si. Non, ah. Je pense qu'on va rester, là. Rien à faire. Hop. En même temps, je me dis si on n'est pas loin de la fin. Il y avait un objet. Un objet. J'ai vu un objet. Ok, je prends. Super. Nickel. C'est ça, bloqué. D'accord. Ouais, parce qu'apparemment, les deux leviers, faut les baisser en même temps. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, du coup, pour ça, on va se servir de... Ça sert à rien. Non, mais attends. Ah ben ça. Voilà. Là maintenant, tu tises ça et tu le mets. Comme ça, au moins, ça ne bougera plus. Exactement. Et là maintenant, hop, oui, tu actives celui-là.
Et qu'est-ce qu'il faut faire une fois que c'est fait? Qu'avant il se réveille soudainement, il se cogne la tête, le choc des 8 km et la clé qui était derrière est maintenant visible. Ah bon? Il y a une clé qui était visible? Ouais, je découvre plus le jeu. Hein. Un peu penser à la boussole d'or. Empêchez-le de voler les rêves de cet enfant, c'est un malade! Un fou dangereux. Ok. Un fou. Pourquoi? Là, il y a un truc qui sert. Non, c'est pas ici. C'est là. On peut monter là ici pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Voilà, on peut utiliser ça. Comme ça, voilà. C'est donc ça. Ok. J'avoue que... Merde, où je suis? Je suis perdu. Allez. On va essayer quand même de... Si le jeu est pas trop long, on va essayer de finir le jeu. Hop. On y va. Maintenant tu peux l'ouvrir cette porte. Prends ça et tu l'ouvres. Ça y est, c'est ouvert. Ok, on y va. Je peux pas changer de caméra, donc logiquement rien là. C'est une porte, ça? Impossible. Oh, impossible. Ah, attendez, parce qu'on me dit qu'il y a des trucs à récupérer avant. J'ai raté un truc à récupérer, on va vérifier.
suspense est à son comble. Ils ont dit qu'il y avait un briquet qui était caché derrière une grue. Je ne vois pas le briquet. Ne tombe pas. Je ne sais pas nager. Je pense que c'était là où j'étais tout à l'heure. Hein. C'est juste que j'ai pas vu correctement. J'ai pas regardé correctement, à mon avis. Mais ça, c'est pour moi, c'est comme une rue, quoi. Ah! C'est ce que je pensais. Ok. Ça. Hop! Ça, c'est vraiment saligo quand même, hein, de leur part. On peut monter, c'est bon. Pas rentrer par la porte, c'est évidemment nous sommes trop jeunes. Voilà. Ok, donc ce truc là, rien à faire, rien à faire. Non, mais il y a des trucs à récupérer, oui. Ok. Ah, il parle de... Il parle d'attirer l'une... Entrez tous une chandelle sur la droite de la cour, mettez la chandelle sous la corde du trait, allumez-la avec un mec. Ah oui, d'accord, ok, donc faut pas utiliser les ciseaux parce que les ciseaux on se fait voir. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Ok. Donc faut plutôt éviter d'utiliser les ciseaux. C'est le game over. On va éviter le game over. Ah oui, je crois voir la chandelle en question. Là. Pas agile, hein. Là, là. Non. C'est que ça doit être de l'autre côté, non? On va voir. On va descendre. Ils disent qu'il y a une... À moins que ce soit... Non. Sur la droite de la cour, ouais, mais sur la droite de la cour, ouais, c'est là-bas, oui. Désolé, hein, je réfléchis en direct, mais j'espère quand même que vous appréciez ce stream. Évidemment. Là, on est d'accord que là, logiquement, alors je vais sauvegarder parce que j'aimerais pas avoir un game over.
Sinon, je vous assure que vous ne verrez pas la fin de ce jeu. Merde, c'est déjà écrit. 9, juste. J'y arrive pas. Rien à faire. Bah, c'est pas là, génial. Donc ça va faire comme le stream de la dernière fois, on n'avait pas pu faire finalement le jeu que vous avez demandé de voter quoi. Chier. Tiens, on se le réserve pour une prochaine fois, hein, c'est pas très grave. Putain, minuit 4, je sens que ça va finir comme ça. Ça dépendra du jeu qui a été choisi au niveau des votes, mais je pense. Je remets le lien des votes si vous souhaitez ici, comme ça vous pouvez voter. Mais de ce que je pense, on va vérifier ça. Putain. Déjà, on avait une vote partout. On gardera ces jeux-là, je pense, pour plus tard. Et ce sont des jeux qui sont un peu volumineux, quoi. Ce sont pas des jeux, qui se font rapidement ou qui s'explorent rapidement. Donc ce serait dommage, j'en profiterai pas. Parce que bon, fatigue quand même se faire sentir de mon côté aussi. Je vais pas vous mentir. Bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et pour la prochaine fois. Faut que j'essaie quand même de faire plus court. Hein. Ah, elle était là. Elle était là. Hop, voilà. Donc là, ici, par contre, je peux poser la chandelle. Voilà. Et j'allume avec le briquet. Et là, vite, faut que je cours. Donc, dépêche-toi. C'est pas moi qui la contrôle là. Mais d'où vient ce bruit? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? On se demande. Ah, il va être content de nous revoir. Miette, c'est toi, vivante. Calme-toi. Maintenant, écoute. Il paraît que les cyclopes volent des enfants pour un savant fou. Ah, non. Pauvre Doré. Attends. J'ai aussi appris qu'on les emmenait sur une plateforme pour servir de cobaye. Où ça? Aucune idée, mais t'inquiète, je trouverai. De ton côté, essaie de nous trouver un bateau. Encore toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Cours, Miette, cours! Arrête. Qu'est-ce que tu mijotes avec cette gamine? Bonne question. Ok. C'est parti. Là, la ville est beaucoup plus jolie, beaucoup plus de lumière. Hop, mon chat. Donc là, pour l'instant, on peut rien faire avec lui. Monter en haut pour observer un peu. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un long couloir, ok.
Oh, il y a un truc là. Ouais. Note de conserve, ok. On peut changer l'angle de caméra. Beaucoup trop de temps à reculer. Hein. Là, ici, là. J'y arrive pas. C'est un truc, t'en sais rien? Ok, d'accord, votre bien, il n'y a pas de soucis. Elle est vachement grande. Ah bah on est de l'autre côté de la grille, ok. Ah oui d'accord, ouais, c'est vraiment partie riche, partie pauvre quoi. Ouais. Putain, il se prive pas hein, quand même. Hein. Ok. Ok, très bien. Est-ce que là on n'a pas un truc à prendre? Impossible. Tu me dis changer de caméra. J'y arrive pas. Vu le nombre de fois où tu l'as envoyé dans le décor, elle doit être couverte de blueberry. Ouais, elle n'arrête pas de... Elle est fragile, que veux-tu, allez, avance. C'est un détail. Bon, malgré les énigmes qui sont parfois un peu alambiquées, je trouve. Après, je pense que c'est volontaire. Allez, l'autre côté, c'est bon, je peux voler le coup de... Il est là depuis toujours, peut-être bien qu'il t'aidera. J'y arrive pas. Impossible. Il y a un pêcheur? J'ai pas vu le pêcheur. Là, j'ai pris le pinceau. Prenez le pinceau et trempez-le dans la peinture. D'accord. Donc ouais, non, le jeu est quand même sympathique, malgré des énigmes des fois un peu alambiquées. Mais après, j'avoue que là, par rapport à l'heure, je... Alors, tu me donnes un coup de main, fillette? Ouais, exactement. J'avoue que je mets un peu moins d'efforts. Mais bon, réfléchir pour pouvoir aussi, j'en profite du coup pour finir le jeu, autant en profiter. Ça fera un let's play complet. Il y a des docks qui sont là. Ici, ouais. Changement de caméra, c'est... Oh. J'arrive pas. Voilà. Ah non, c'est pas là. Mais alors, ils me disent qu'il y a un cyclope. Allez voir le cyclone, le cyclope près des docks. Oui, j'ai bien compris qu'on pouvait changer de caméra, mais ça m'aide rarement, hein, tes histoires de changement de caméra. Là. Okay. Musique de Spyro, on dirait. C'est rigolo. Là, il y a une porte, là. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Mais arrête de te prendre tout. Voir le mec là, on a dit qu'il était à côté. Y a pas un changement d'angle là possible? Non. Ok.
Bon, on va monter, on va voir. Peut-être que c'est là-haut. J'y crois peu, mais bon. On va y arriver. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pardon. Ce que je suis censé faire, c'est me débloquer un passage. Au niveau des docks. Peut-être c'est cette porte-là que je peux ouvrir maintenant, non? Peut-être c'est ça, ouais. J'y arrive pas. T'arrives pas? Mais pourquoi t'arrives pas? Clé du sas. Rien à faire. La clé du sas. Mais où ce sas? Ah oui, là. Oh, il y a un papier. Moi donner carte à fleur de pivoine si petite fille avoir argent. C'est lui. J'y arrive pas. Faut faire un coup de pinceau enduit. Non. J'y comprends rien, il y a plein de trucs à faire que je ne comprends pas. Ah, attends. Hop, il me faut ça apparemment. Et rien tiens. À faire. Je te donne ça. Apparemment, tu t'en sers de monnaie. Rien non à faire. Ok. C'est pas grave. Mais non, ne pose pas ça. Oui, garde avec toi. Range-le. Bon, il est où le méchant là? Il est voir le cyclope près des docks. Mais sont où les docks? Donc c'est là où j'étais. Il me semble hein. Je sens que c'est encore un point de vue que je n'identifie pas et en fait c'est très simple et genre c'est pas là, là il n'y a pas une porte ou une connerie. Pardon. Mais tombe, ça va, tu vas pas mourir là. Rien à faire. J'arrive pas à comprendre. C'était plus facile. Ah oui, Harry Potter. J'avais pas vu cette zone, c'est ça? C'était plus facile Harry Potter, on est d'accord. C'était pas la même chose. Harry Potter, je connaissais, c'est pour ça. Mais non, ça, le jeu reste bien, mais j'avoue que ouais, je. C'est. Il est fort complexe. Voilà. J'y arrive pas. Miette, devoir trouver où est Sean Min. J'y arrive pas. Ah, mais c'est le mec avec le bateau. Oh, impossible. Ok. Là, j'avais pas compris. D'accord. Ok, j'ai compris. Non, mais en tout cas, ouais, c'est un bon jeu, je pense, d'énigmes. Je pense que tu dois quand même pas mal fouiller dedans. À l'époque, je pense que ça devait quand même pas mal t'occuper. Après, j'ai des doutes
si avec, enfin plutôt sans, une solution, tu peux y arriver. Parce que il y a des énigmes un peu alambiquées. Après, ça pose pas de problème, hein. Mais le péché, on le met, le péché. Après, ça pose pas de problème dans le sens où les énigmes alambiquées, il y a eu plein de jeux qui ont fait ça. Donc c'est pas gênant. Alors c'est peut-être plus le point noir que je dirais à la rigueur, c'est plus la maniabilité. Mais sinon le jeu m'a l'air sympathique. Après on est un peu télescopé, je trouve, à cet endroit-là, sans trop savoir quoi faire. Je trouve qu'on manque un peu d'informations. Oh, Malchel. Oh, la fête foraine, c'est toute ma vie. Les funambules, les acrobates, les docteurs, une grande famille, les pieuvres, monstres de foire, hideux, j'aimerais te voir morte. Moi, je n'ai plus que mes puces. Mes puces savantes. Rien qu'à moi. Mes puces. Dressées pour tuer. Sur ma musique. Oh, la fête foraine. C'est toute ma vie. Rassure bien ce mec. On va partir. J'ai trouvé que c'était le seul qui était gentil, mais bon. Peut-être pas le provoquer. La balle. Ah voilà. Tire-toi, je te dis. Ah ouais. On a un coup de pinceau dans la gueule, tu vois. Parce que là, par exemple, le coup de pinceau, je l'aurais pas deviné. Après, j'ai pas vu le film. Mais peut-être que si j'avais vu le film, je l'aurais deviné. Donc ça veut dire que c'est quand même une œuvre transmédia. Mais logiquement, le film n'est pas lié au jeu. C'est ce qu'on avait vu. Donc c'est ça qui est un peu étrange, je trouve. Bon, putain, le laisse faire, vraiment, tranquille. Qu'est-ce que tu as fait, petit idiot ? Je ne vois plus rien. Bien fait. Orange. Ce qui fait qu'on peut passer vite. J'ai envie de dire comment. Ah, ma carte en échange une canette. Et j'ai la canette. Donc c'est parfait. On va lui donner la canette au pêcheur. À quoi qu'on nous disait, va voir le pêcheur. Mais bon, c'est vrai que là, le mec, il nous dit tire-toi d'ici. Attends, peut-être pas la prendre de suite, la canette. On va d'abord lui parler au mec. Je voudrais aller sur la plateforme. J'ai besoin de ton aide. Il reste pas là à faire du bruit. Les poissons vont se barrer. Oh, mon poisson va se barrer. Tu oh. sais comment je peux aller sur le champ de mine? Chut, tu vas faire fuir mes poissons. Je voudrais aller bordel, sur la plateforme. Qu'est-ce que t'es en train de pêcher? Ça, si je pouvais récupérer la boîte que j'ai fait tomber l'autre jour. Hein. Ah oui, oh bordel, tu récupérais la boîte, tiens. Moi je te la donne. Cette boîte servira à mettre mes asticots et ça remplacera l'autre. Bon, puisque t'es sympa, je vais t'aider un peu, hein. Merci. Vas-y, je sais que le tatoueur, il a un plan qui mène à la plateforme. Il l'a tatoué un jour sur le dos d'un marin. Génial. Tu penses qu'il voudra bien me le donner, son plan? Ça, par contre, ça m'étonne rien. Sauf... Mais il faut absolument. Comment je peux faire pour la récupérer? Et je sais, écoute, avec des copains, quand on était petits, on s'amusait à enlever la vis qui retient l'enseigne de son échoppe. Quand elle lui tombait sur la tête, oh, oh, c'était à mourir de rire. Crie que si t'essaies à ton tour. Oh, oh. Oh, j'en rigolais déjà. Ouais, le meurtre. Boum,
le tatoueur. Le tatoueur est pas flash. Rien à faire. Ah ouais. Ah, le, ils sont heureux qu'il y a un meurtre, quoi. Ok, d'accord. Okay. On aille sur le côté. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là qui monte ? Ah ! Ça mène nulle part. Allez, on y va. Ouais, on pouvait aller à gauche, mais je m'en étais pas rendu compte. On va finir ce jeu ce soir et les autres, on les garde pour une prochaine fois. Désolé encore une fois pour le vote qui n'aura pas servi à rien, parce que du coup, ça permet de savoir les jeux que vous voulez voir et on les fera une prochaine fois, en janvier, je pense. Déjà, on va continuer un peu tard. Ou peut-être si on finit Harry Potter 1 assez rapidement, peut-être le faire. Enfin, ce sera pas du let's play complet, hein. Parce que c'est pas le but, mais au moins prendre le temps de les découvrir. Là, j'avoue que là, au départ, j'avais prévu de m'arrêter au bout de 2 heures, et puis finalement, le jeu étant plutôt court, autant le finir, quoi. Franchement, c'est pas très gentil. Hop, j'ai la carte. Alors, on va la porter à One. Et après, il nous faut la boussole. Et la boussole, on va trouver. Et vu la couleur d'eau, je mange un poisson, ça se comprend, hein. On ose tout à fait. Hop. Hop. Comme... On dirait un chat qui se prépare à dormir à un endroit là, qui avec ses patounes là, qui travaille l'endroit. Quand elle essaye de se préparer à descendre l'escalier, c'est rigolo. Et là, comme ça là, c'est rigolo. J'aime bien. Okay. Hop là. Allez. Tiens. La carte. Trouver moyen pour se repérer dans mer et pouvoir utiliser K. Là, ils disent qu'il faut un bâton. Ah, apparemment, il va falloir, ils disent, tuer Marcello. Génial, un enfant qui tue un adulte pour sauver des enfants. Elle cherchait du DDT. DDT près de la maison du tatoueur. Bien dans le truc. Nickel. Par contre, fou le nombre d'allers-retours. Hein, vas-y. Compris le truc. Il faut qu'on aille chercher le DDT. Donc, DDT, c'est de l'anti-insecte. Et on a vu tout à l'heure Marcello. Il disait des... Oh, mes puces savantes, elles peuvent tuer sur commande. Donc, en gros, il va falloir tuer Marcello. Mais attention, pas se tuer nous, parce que c'est le risque.
D'où le fait qu'il faut de l'anti-insecticide. Alors l'anti-insecte, il est où? Pardonnez-moi. C'est pas là-bas, là. Impossible. Ils disent que l'anti-insecte, il est où? Près de la maison du tatoueur. Tour parce que c'est un pulvérisateur. C'est juste un pulvérisateur plutôt. Ok, bon, on va tester de toute façon. Alors ouais, avant de pas sauvegarder parce que j'en ai un peu marre de faire des allers-retours pour rien. Tac tac 10. Ok. Et on continue. Et bah mon savait le Marcello. Oui, Marcello. Et j'avoue que ouais, ce monde donne pas très... Alors ce côté-là est un peu plus lumineux quand même de la ville, un peu plus... Tu sens qu'il est un peu plus riche. C'est pour ça qu'il est coincé avec le côté pauvre. Mais ouais, t'as pas vu beaucoup d'enfants effectivement, donc tous les orphelins ont l'air d'avoir été kidnappés. Mais je pense qu'il y a plus d'informations en fait dans le film par rapport à ça. Sinon je comprends pas. Ici, et on va sauvegarder à nouveau. Hop, 11, voilà. Et là, on va utiliser le ça et ça. Et puis, pourquoi? Soyez gentil. Donc après, disait... Petite orgue. Impossible. Mais il est où l'orgue alors? Ça là, j'y arrive pas. Ah ok. Ils sont violentes. Et donc là maintenant.
on doit utiliser le dé. Ça. Non, avant de prendre la montre, d'abord on fait ça. Et donc là, il faut Hunter. Impossible. Hunter. Rien à faire. Oui, mais justement, il faut que tu dépuces. Dans l'état où elle sort, je n'en sais plus grand chose. Voilà, avec ça, elles ne feront plus de mal à personne. Voilà, ok. Voilà, et donc là, maintenant, tu peux prendre la boussole. Voilà. Et sinon, tu te serais pris des puces. Désolé, Mathieu. Tuer une personne pour récupérer une puce et on le fait ça de manière... De manière tout à fait normale. Voilà, on s'en fout. On peut pas dire que juste qu'il s'est évanoui. Je trouve ça un peu violent. Mais bon. Plutôt pour une enfant. Tiens. Impossible. Comment ça, impossible? C'est le time. C'est bon là. Je vais essayer de profiter de cette fin du coup de jeu. D'accord, c'est pour ça qu'il fallait la carte. Pour éviter les mines. Bon, après les mines, si elles sont assez visibles, tu les évites facilement quand même. Hein. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Miette, enfin tu nous as trouvés. Le scaphandrier a tué Krank. C'était un scientifique et Krank était l'une de ses créations. Maintenant qu'il l'a tué, il veut faire exploser la plateforme. Tu dois sauver les enfants, Miette. Emmène-les à l'abri sur ton bateau. Il est encore temps de les délivrer avant que tout ne saute. J'ai pas compris comment un scaphandrier peut créer un scientifique fou. J'ai pas compris. Allez, allez, dépêchez-vous! Sortez, vite! Et croyez-vous, courez, courez! Allez, prends-toi! Mais si tu leur dis pas où courir, comment ils sauront qu'il faut aller là? Dramatique. La ville des enfants perdus. La cité des enfants perdus. D'un film de Jeunet, Caron. À l'écran, j'y ai d'ailleurs Jean-Pierre Jeunet. Marc Caron, justement, disait. Jean-Paul Gaultier pour les costumes. Don Cruzet, Martinez, Martinez. On les a cités tout à l'heure, ceux-là. Et j'ai loupé quoi quand je suis parti? C'était écrit blabla présente à cité des enfants perdus. Et ouais, et bah tu as loupé tout le jeu. Du coup, parce qu'on a fait, on a fini tout le jeu. Et d'ailleurs, on va s'arrêter à cette fin de tout le jeu. Avec tous ces
artistes qui ont travaillé sur ce jeu et qui ont fait du bon travail. Fini en 3 heures, oui, il est fini en 3 heures. On a suivi la solution, sans te mentir. Margaret Mead, mais c'est oui, mais c'est actrice. Moi, ce que je veux savoir, c'est le doublage. Non, franchement, il est très bien. Avec la solution, ouais. Attention. Et oui, le jeu était sur 3DS, figurez-vous. Non, c'est, évidemment, c'est pas ça. Hein. Et donc, non, voilà, le jeu, je confirme, oui, on l'a fini avec des solutions. Non, ça va, hein. Ça a été fait sur PC, sur PlayStation, comme je vous le disais. On l'a fait avec la Sonus parce que le jeu est très sympa, les énigmes sont un peu alambiquées. Et que je voulais pas y rester 20 ans, et puis finalement on était très proche de la fin, donc je me suis dit bon, autant suivre la Solus. Et on profite du jeu et du système d'énigmes. Le système d'énigmes n'est pas si bête que ça, mais je sens que, en tant que pur, et je pense que c'est volontaire, mais en tant que pure personne ne connaissant pas le film, je n'aurais pas arrivé, j'aurais pas pu arriver au bout. Allez, voiceovers. Et donc là, ça va être intéressant. Excuse-moi. De voir qui c'est qui a fait en français. Primo, hein, Michel Vinoir. Judith Vité. Je suis sûr que c'est elle qui a fait Jean-Claude Dreyfus quand même. Hein. Et Judith Vité. On me dit Judith Vité. Judith Vité. Comédienne. Les 1er décembre à Paris. La Cité des Enfants Perdus, justement, elle a été dedans. Je suis sûr qu'elle a fait les voix de Pousse-Pousse. Jason Elfson, non, c'est voix originale. Jackie Berger. Ah non, alors pas du tout. Alors comme quoi, Jackie Berger est pas Judith Vité. Et pourtant, la voix m'avait l'air très similaire. Mais après, c'était une enfance, c'était pour ça aussi. Oui, il avait 11 ans. Étonné que ce soit pas. Ok, très bien. Et ben voilà, on aura fini ce jeu là et il aura été vraiment très sympathique, comme je vous le disais. Vous aurez vu le let's play complet du coup de ce jeu. Mais j'ai trouvé quand même très sympathique. Il est beau graphiquement. Faut pas oublier qu'on est en 97 et c'est quand même pas mal. Il y a un gros niveau de détail. Je pense que les angles de caméra sont un peu complexes, mais faut pas oublier que il s'inspire de Resident Evil, de Alone in the Dark, plus de, je pense plus de, ouais, plus de, comment ça s'appelle, plus de Alone in the Dark, voilà, que de Resident Evil, on est d'accord, plus de Alone in the Dark que de Resident Evil. Resident Evil est sorti quand le tout premier, il est sorti en 96. Alors que le jeu date de 97, les informations en haut. Alone in the Dark, il est sorti en 92, donc effectivement je pense qu'il s'inspire plus de Alone in the Dark, mais le jeu Alone in the Dark 92 apparemment, de ce que je vois sur le wiki. Mais le jeu est quand même très qualitatif, c'était pas loin, je confirme, c'était pas loin. J'espère d'ailleurs que ta série s'est bien passée, mon cher HD. Mais non, franchement, c'est plutôt pas mal. Les graphismes sont bons. L'histoire, je pense, est intéressante. Point sur Viva l'Aurore et c'est signé par un Français. Si je me trompe pas, c'est Frédéric Renard, justement. Je sais jamais. Frédéric Renard, c'est ça. Va faire le café. Comme, comme d'ailleurs, Little Big Adventure. C'est un jeu 3D aussi, hein. 3D. 3D. Hein. Et la 3D, je confonds avec Shai. Oui, oh, sûrement, j'arrête pas de confondre, moi. Non, c'est Frédéric Reynal qui a réalisé
C'est ça. Petit frère, méfiez. Pas faire confiance à l'inconnu. Beaucoup enfants disparaissent, kidnappés. Non, c'est ça. C'est bien Frédéric Reynal hein, qui a fait Little Big Adventure, mais je confonds souvent avec Eric Chahi. Eric Chahi, lui, par contre, il a fait. Il a fait Another World, si je me trompe pas. Idem, vive la France. Oui, comme dirait le jeune, vive la France. Exactement. Another World, voilà. Eric Chahi, c'est Another World. D'ailleurs, c'est les 30 ans d'Another World, hein, ces temps-ci. J'ai vu qu'il y avait le stream MO5 qui passait sur ça. On va voir pour les raids, potentiellement, si on peut. Mais effectivement, s'ils sont encore en ligne, parce que malheureusement, vu l'heure qu'il est, j'ai des doutes. Another World, c'est ça. Il a fait aussi Heart of Darkness. Un jeu bien compliqué, mais que j'essayais de faire quand j'étais enfant. J'aimerais bien essayer de le refaire. Reynald, Shahi, la même époque. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Je veux dire, tu confonds avec Shahi, je fais... Oui, voilà, ouais, on est d'accord. Et donc, du coup, ouais, je ressens un petit peu aussi ce côté, comme je disais, donc du coup, Alone in the Dark. Et je pense à Little Big Adventure Plus, je sais pas pourquoi, parce que c'est le côté rigidité un peu des mouvements. Et du coup, je comprends mieux la cinématique d'intro, que je comprenais pas tout à l'heure. Les cinématiques sont belles. Les environnements sont très beaux, franchement. Les seuls trucs que je kifferais potentiellement baisser la note ou l'appréciation du jeu plutôt, ce serait le côté rigide du coup du personnage qui est un peu compliqué à jouer, mais on s'en sort quand même bien au bout d'un moment, ça va. Cachez-toi! Pas touché, petit frère. Après, tu dis de courir, mais tu dis pas dans le bon sens. Attends, dis vers la mer. Je vais pas te faire de mal. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ouais, le. Dégagez-vous. Et le fait que, voilà, je pense que. On a vu que le jeu était très peu lié au livre, selon l'affiche justement à Vendeur France sur ce sujet-là. Je vous rappelle que d'ailleurs, le jeu est disponible sur Vendeur France. Rapidement, un téléchargement facile. Hop. Voilà, je vous remets le lien ici, n'hésitez pas. Vous avez les liens aussi des autres jeux qu'on avait prévus ce soir, mais qui ne fera pas ce soir. Et je pense que même si c'est une histoire indépendante, on peut regarder le film sans avoir joué au jeu, on peut jouer au jeu sans avoir regardé le film, je ne suis pas sûr. Voilà. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir regardé le film pour avoir joué au jeu, parce qu'on est vraiment téléporté, je trouve, dans un endroit où on ne sait pas ce qu'on a à faire. On comprend qu'il y a un personnage un peu bizarre, etc., qui nous demande de faire des actions, ce genre de choses. On comprend qu'on est dans une vie, etc. J'avais pas compris qu'au départ on devait aider quelqu'un qui s'était fait kidnapper, mais je l'ai compris maintenant en regardant la cinématique après coup, finalement. Et surtout, j'ai pas compris au niveau des cyclopes que. Alors, pour le bruit, c'était justifié par un des gamins. Heureusement qu'on a croisé un des gamins, sinon je l'aurais pas trouvé. Mais ça, c'est de la fouille du jeu. Les cyclopes. Non, pas cyclopes comme ça. Les cyclopes SY. Attention, hein. Ne prône pas. C'est fumé, c'est pas bien. Mais c'est mal. Donc, les cyclopes. Donc encore l'histoire du son, on aurait pu le retrouver dans le jeu en fouillant un peu, donc il n'y a pas de problème. Autant l'histoire de cacher avec le pinceau, avec de la peinture. L'œil du cyclope pour que ça le perturbe. J'aurais pas pensé quand même. J'y aurais pas pensé. Après, je pense quand même que c'est aussi l'énigme qui est voulu comme ça et qui est un petit peu tordu, et c'est très bien. C'est pour ça que je m'en plains pas trop. C'est ce qui me fait bailler. Je suis désolé, c'est ce qui me fait bailler. Mais même moi, j'arrête pas de bailler à chaque fois, ça m'arrive assez souvent. Voilà, on est téléporté ici, on sait pas trop quoi faire. On a deux personnes qui nous parlent et qui veulent pas nous voir.
On voit que bon, il y a certains objets qu'il faut prendre. On comprend qu'il faut les prendre. Heureusement d'ailleurs qu'il nous montre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Les touches aussi, par contre, les touches, je trouve qu'elles sont. Alors ça s'arrange maintenant. Heureusement qu'il y a DOSBox. Merci encore à Ziop qui m'a donné l'astuce. Mais clairement, les touches m'ont l'air d'être agencées vraiment d'une manière un peu bizarre, dans le sens où page up pour prendre un objet, page down pour discuter, enter pour faire une action. Je trouve bizarre que ce soit pas le même bouton en fait. Et qui est pas aussi méfier. Ça suffit. Et je trouve aussi que c'est dommage peut-être qu'il n'y ait pas de signe nous disant avec quoi on peut interagir. Mais après, s'il y avait ça, ben, le jeu il aurait été trop court. Et à l'époque, ça commençait déjà à dire ah ben, le jeu il faut qu'il soit long, machin, etc. Donc finalement, c'est pas gênant. En résumé, je suis plutôt content de cette expérience-là. Je pensais vraiment pas le finir. La preuve, hein. Là, je l'ai fini. Et je suis ravi de l'avoir fini, je trouve qu'il était vraiment sympa. Ça me donne envie de découvrir le film, peut-être pas de le regarder, je vous avoue, parce que j'ai du mal avec les longs films, surtout si de prime abord ils ne m'attirent pas. Hein. Mais ça a le mérite de m'intriguer et de voir un peu plus quel est donc ce système de... Enfin, ce film qui a quand même donné un jeu, c'est intéressant. Je trouve que c'est intriguant. Et vous voyez, il y a... Ah non, la trappe, elle est de l'autre côté. Bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt positif. Je suis très content. Je suis content d'avoir pu vous le faire découvrir aussi, parce que c'est le but aussi d'Abandon la France, de jouer à des jeux qui sont un peu connus, ou en fait, surtout des jeux auxquels j'ai envie de jouer et que j'ai jamais pu jouer à l'époque, ou que j'aime bien. Mais c'est aussi de découvrir des jeux, et je trouve ça assez sympathique. Ça m'avait intrigué à l'époque, je sais, sur PlayStation, où j'avais sur PlayStation, et je savais pas ce que c'était. Je comprenais pas. J'avais l'impression que c'était un jeu qui était vraiment plus... Beaucoup enfants disparaître, kidnappés. Qui était en mode un peu Final Fantasy, tu vois, mais le Final Fantasy français. Ça, c'était comme ça que je le voyais à l'époque quand j'étais petit. Très prudent. Sans connaître hein, le jeu, hein, je le précise, mais j'avais vu que des images du jeu, et j'avais l'impression que c'était ça. Et donc franchement, je suis plutôt content d'avoir découvert avec vous ce soir. Je vous partage le site aussi qui m'a aidé pour la soluce, voilà, parce que c'est très gentil. Merci encore une fois aux gens qui font des solutions sur des jeux, etc. Un grand merci à eux. On va s'arrêter là déjà pour l'enregistrement. On arrêtera le stream aussi un peu après, mais je vais pas te faire de mal. Vous dire au revoir comme il faut évidemment sur le stream et en tout cas sur la VOD. Je vous remercie d'avoir vu cette VOD en entier. 3h13 quand même, un grand merci à vous d'avoir regardé ça, j'espère que ça vous aura plu d'avoir vu toute l'histoire de la cité des enfants perdus, et peut-être on fera ce qu'on essaiera de faire, peut-être, je sais pas, de cadrer juste l'image du jeu, comme ça vous aurez aussi la version sans mon commentaire et sans mon son, si tout se passe bien logiquement, tout est bien découpé au niveau du son, si j'ai pas fait de conneries, mais je pense pas, parce que logiquement je calcule ça au niveau des propriétés audio. Mon micro, il est que sur 3, alors que le son du jeu, il est sur audio PC, il est sur 2. C'est ça. Ouais, donc c'est bon. Donc s'il y a besoin, on pourra retailler, comme ça proposera d'être plus complet, on sait jamais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve évidemment sur Abandon Air France, sur l'Abandon Air TV, sur Twitch, si vous le souhaitez, et sur tous les réseaux sociaux d'Abandon Air France. Vous avez vu, vous les avez vus circuler en haut de cet écran, pour information. Merci à vous sur la VOD et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao à tous. Abandon Air, mon vôtre.